Comme ça, normalement c'est bon. Ouais, terrible écho, Nashevman, ouais, c'est moi, c'est le temps de. Parce que j'avais plaisir évidemment de suivre les clips également de mon côté. Attendez, je sais même plus ce que je fais là. Tac, 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 tac. Axe Fatalis, il est là. Voilà! Ah! Bonne détente, Arx Fatalis, un jeu magnifique. J'ai sous la main le clip principal. Je vais faire des scies à droite, à gauche. Arcane Studio! Ah, je suis déception de me dire que Olive qui tue ne s'est pas manifesté à moi aujourd'hui, c'est dommage. Parce que je rappelle que Olive qui tue est grande fan du jeu. Elle m'a été d'excellents conseils. Elle m'a été d'excellents conseils. Non, ça c'est la sensibilité de la souris. Donc, reprise, tout de go. Alors, souvenez-vous, résumé des épisodes précédents. Il faut que je retrouve donc une grande arme qui va me permettre de parer la puissance du météore de comment dire de en deux parties. Je vais pas me faire drainer la mana par le météore qui est le grand méchant en fait dans le jeu. J'avais enfin accès à la crypte. À la crypte, il y avait un jeu de manivelle là, de passage secret, mais il me manque un bâton pour réparer un levier qui m'est pas accessible. Il me manque le manche du levier. Donc le bâton, je m'étais mis en quête. J'ai joué même pas 3 quarts d'heure hors antenne pour essayer de localiser le plus rapidement possible et pas vous faire poireauter à retrouver un bâton. Et je sais où je vais en trouver un. Donc moi je m'étais téléporté près du roi, voilà, avec le portail de téléportation, on l'a vu brièvement. Donc, je peux aller dans la chambre. Enfin, je pouvais déjà aller dans la chambre merde, c'est pas le bon endroit. Dans la chambre du malheureux mage qui avait été assassiné, qu'on voit dans l'intro là, qui nous explique la trame principale. Voilà, le regretté Phalan Orbiplanax, dont on a honteusement. Donc là, on avait résolu l'énigme, souvenez-vous, c'était la grande révélation au début du scénar. J'ai retrouvé sa dépouille dans la crypte. Sur sa dépouille, il y avait une clé de coffre. C'est fermé. Celui-là. Donc je vais l'ouvrir, puisque j'avais la clé sur sa dépouille. Donc, contenu du coffre, évidemment, c'est un magicien. Donc là, il y a Folgora, un truc que je connais pas normalement. C'est une rune que j'ai pas dans la magie. Non, l'accent circonflexe, je l'ai pas. Donc je vais la prendre. Voilà. Folgora. Ça va me déverrouiller des sorts, forcément. Ouh la vache. Champ de foudre. Lance plusieurs éclairs dans une zone. Ah, c'est le Folgora, c'est la foudre apparemment. Oula, on entend des voix. Lancer un éclair. Ouais, c'est ça, Folgora. Ah, j'ai appris la magie de la foudre. Antidote. Oh là, il y a de ces sorts. Oh, je maîtrise 2-3 sorts à peine. Mais je serais peut-être amené vraiment à maîtriser la magie parce que le niveau va être relevé là maintenant. Donc je pense que je suis à la moitié du jeu, là ça devient balèze. Donc il avait des fioles vides, il avait de quoi faire des potions, il a un anneau qui n'est pas identifié et un antidote. Bon, pour le moment, à part les fioles vides, je vais rien prendre d'autre. Parce que pas besoin en fait. Parce que pas besoin. D'ailleurs, je peux même me servir de son coffre du coup pour ranger des trucs. Je vais. Bon, là, je vais rien jeter, mais. Donc voilà, on va progresser. Je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Ah, bah oui, non, le téléporteur. Mais non, mais je vais prendre le téléporteur justement, dont je vous parlais. Parce qu'il faut que je descende, je sais plus à quel sous-sol.
Alors, je rappelle que l'univers d'Ax Fatalis est divisé en 8 sous-sols. Il faut que je vois le marchand humain. Le marchand humain qui est le plus en profondeur de là où j'ai pu aller en profondeur, en fait. C'est lui qui vend des leviers. Voilà, portail menant aux caves, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le niveau 5, donc le cinquième sous-sol. J'espère ne pas me planter. Mais bon, après ça, l'aventure, c'est l'aventure. Je vais allumer une torche parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Là, je peux accéder à la planque des rebelles. Et quelque part à l'autre bout de la carte par ici, il y a un humain qui vend du matos avec son frangin. Il a son chien et quelques poules pour subsister à ses besoins. Là, j'ai le clan des trollolol gobelins d'Idéa, là. Pour le moment, je les enquiquine pas, ceux-là. Prout. Donc, la chef des rebelles qu'on a libérée d'un terrible sacrifice auprès du météore, la belle demoiselle chef des rebelles, là, Alia, je crois qu'elle s'appelle, elle m'a recueilli dans son domaine rebelle. Elle m'a dit, je te donne la première partie de l'arme que tu cherches. Surpuissante, là, que je vous expliquais en deux parties. Elle me la donnera en honorant évidemment un de ses souhaits, qui est de retrouver un bouclier. Un bouclier qui est sacré. Le bouclier en question, je crois savoir, si je fais le lien de ce que j'ai lu des bouquins dans le jeu, c'est le grand bouclier qui a permis au défunt père du roi actuel des humains de gagner une grande bataille dans une grotte, là, je sais plus quoi. Et de sauver la population des différentes races ici en sous-sol dans cette ancienne mine naine à 8 niveaux. Et, alors là, c'est le clan des poissons. Je vais finir par tomber sur l'humain à force d'aller à droite à gauche dans ce dédale de fou. Les humains doivent pas être très loin. Ah, voilà! Les v'là. Voilà, j'ai reconnu la balise des humains. Voilà le vendeur. Salut toi. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Voyez mon frère. Oh l'autre. Alors je sais plus où est-ce qu'il vend des bâtons. Ça doit être l'autre coffre. Voilà, il vend des bâtons. Morceaux de bois. Je vais lui en acheter un. Il vend même des pieux. S'il y a des vampires, je ferais peut-être bien lui acheter des pieux. Ça coûte 3 pièces d'or le pieu, donc autant dire que c'est une misère. Il vend même des runes de magicien, mais je crois que je les connais. Ah, attends, Stregum. Oh, attends, je connais peut-être pas Stregum. Le signe me dit rien. Attends, le semblant de Z... ah non, c'est ça. Alors, Stregum. Je connais Stregum et c'est l'autre que je connais pas. Celui qui est en forme de Z. Mauvaise. Je vais apprendre mauvaise. Vous savez, moi je suis une mauvaise en magie. Je débute. Attendez, je vais lui acheter la rune. C'est là où je me rends compte que je peux l'avoir... Attendez, je réfléchis. Vous savez quoi? Je vais peut-être pas lui acheter tout de suite. Parce que je fais pas de magie en ce moment. Je mémorise qu'il a une rune que j'ai pas. Et je reviendrai si... Revenu de la crypte. Parce qu'il y a forcément des trésors dans la crypte. Si je peux l'avoir gratis dans mon exploration. Comme je fais pas beaucoup de magie. Voilà. Autant être fin stratège. Enfin, stratège, c'est pas le bon terme, mais... Je vais pas me ruiner pour quelque chose dans quoi je vais pas investir. C'est quoi ces gémissements que j'entends? Le mec il m'a fait un... Y a pas de castagne autour de moi, c'est pas possible. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Oh, il parle mal. Oh le chien. Oui, c'est son frangin qui a le temps de parler avec moi, c'est ça?
c'est fermé. Ah oui, j'allais dire, c'est pas à vendre. C'est leurs effets personnels. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Voyez mon frère. Mais... Je vais les appeler les frères buggés et pas gentils. Bon, j'ai mon bâton. Je vais sauvegarder parce qu'on progresse. Il y a une issue pas loin. Vous voyez, test, c'est moi qui avais fait le fait de trouver de me mettre en quête d'un bâton hors antenne pour pas vous faire poireauter dans le suspense. C'est limite si j'ai pas allumé une torche là parce que. Attends, merde. C'est une sortie ça? Ah oui, c'est une sortie de niveau. On va où? Oula! C'est le domaine des femmes serpents. Je me souvenais pas qu'il y avait une jonction avec les. Attends, je suis où là? Lumière. Bah. Attendez, je me souviens pas là. Ah, il y a de la. Ah bah, de l'herbe municipale. J'allais dire de l'herbe municipale, moi j'allais dire. De l'herbe médicinale. Municipale, n'importe quoi. Oh! 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 Je suis jamais venu là! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh magnifique! Comment je l'ai trucidé! Oh! Et là, je trouve un bâton gratis et je vais être dégoûté. Ouais, attends. Non, c'est une porte qui a été condamnée. La carte dit quoi dans le jeu? Eh, attendez, la carte. Eh. Il y a un passage. Hein. Cette porte s'ouvre. Elle a l'air barricadée, mais elle a l'air de s'ouvrir. Il y a quelque chose derrière. Oh là là. Il y en a des mystères dans le jeu, vous n'avez pas idée. Alors, j'ai une pelle gratos. J'ai squelette. Bon, lui, il a qu'un os en héritage. Oh! Alors, lui, il a une torche. Lui, il a un jeu d'outils. Vous savez, passe-partout, forcer les serrures. Il a un diamant. Oh, je suis riche. Ouais, le diamant, je vais le garder pour le barde du roi. Olive Kitu m'avait dit, il faut lui en offrir un. Il se passe une scène folle. Oh, du poisson frais. Bah, ça m'étonnerait qu'il soit frais, vu le cadavre. Mais bon, c'est pas grave. Nous sommes dans un jeu vidéo. Et une dague qui est quasiment pétée. Elle est à 4 sur 50 de résistance. Je vais pas la prendre parce qu'elle va éclater. Attends, il y a quoi derrière? Un bracelet. Ah ouais. Faut avoir le coup d'œil. Ah, je cumule les bracelets, je suis riche. Il faut que je retourne chez les humains vendre mes trouvailles. Voilà, ce squelette, il a rien de rien sur lui. Non, honnêtement, visiblement, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de bâton. Et c'est ça qui est vraiment con. Excusez-moi. Bon, bref. Ça marche pas. C'est verrouillé. D'ailleurs, il y a un bug graphique. Je suis allé en haut, non? Oui, enfin, je crois. Parce que là, il y avait un cadavre. Il y avait des torches en cadeau. Oh non, attends. Il y a un sabre qui n'est pas identifié. Ah merde. Merde. Non, j'ai dû y aller dans une partie où j'avais rechargé, en fait. Et j'avais pas... Ah, mais attends, mais là, j'ai les mains trop pleines, là. 18 pièces d'or, selon cette prix. Ah, je suis embêté, là, parce que je suis bien chargé. Alors... Mince, j'ai fait une bêtise. Je vais aller chez les humains. Il faut que je trouve un téléporteur. Attends voir. Ah oui, c'est chez les femmes serpents, là. Mais... Je peux peut-être leur demander conseil. Je sais pas. Elles ont un téléporteur de disponible, les femmes serpents, non? Elles utilisent la haute technologie, elles maîtrisent la sagesse et le savoir, les femmes serpents. Elles doivent avoir ça sous la main, non? Attends.
La musique est pas rassurante. Je sens que je vais me faire casser la figure. On est où là? Oh, je suis en train de me perdre. Ah, c'est verrouillé. Oh, il y a des énigmes. Les femmes serpents, c'est des énigmes. J'ai entendu gémir. Vous avez entendu comme moi? J'ai entendu un gémissement. Waouh. Les femmes, tout court, c'est des énigmes. Sacré nache. Oh! Un escalier! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Maintenant, j'attends les associations. Ouais, c'est vrai, on peut plus rien dire. Oh! Attends, je suis où? Oh! Ah bah, il y a un téléporteur. Oh bah, c'est cool! Attendez, je vais l'activer. Ouais! Ah bah oui, je veux aller dans la ville d'Arx. Exactement, c'est là où je veux aller. Nickel! Alors là, j'aurais pas pu faire mieux. Trop bien. Je sais même pas où je suis. Quand je reviendrai dans un téléporteur, je verrai celui que j'active à l'instant. Je connais pas du tout l'endroit là, je commence à flipper. Trop bien. Attends, mais comment ça se fait que les femmes serpents... Oh! La forêt de champignons. J'étais au 7e. Bah, il y a quoi au niveau 6? Attendez, je suis passé du niveau 5 au niveau 7? Ah, mais à un moment, j'ai pris des escaliers intermédiaires. Donc, j'étais au niveau 6 sans le savoir. Donc, il y a un portail que j'ai pas découvert au niveau 6. Putain, c'est vachement intéressant. Oh, trop bien! Je suis aussi bien qu'un jeu d'enquête classique moderne. Je dis oui! Oh, c'est cool. Oh, et puis, attendez, on va offrir le... On va offrir le diamant au ménestrel, là, le musicien du roi. Bah alors, madame, vous passiez la serpillère, j'ai pas compris, là. Bonjour, madame. Oui, non, il n'y a pas de patoune, il n'y a pas de chapeau. Hein. Je le rappelle, c'est encore rangé. Je vous redirai quand vous pourrez faire me mettre des gages, mais c'est pas revenu, désolé. Attendez, je vais sauvegarder parce que... Olive qui tue m'a mis en garde. Dans le sens qu'elle m'a dit, il se passe un truc de... Voilà, c'est une fantaisie des développeurs. C'est un des secrets du jeu. Il faut donner un diamant au musicien du roi. Parfaitement, monsieur. Pardon? J'ai vu un rat ce matin. Comme ça, je te jure. Et il avait même pas peur de moi. Canaillou de fanfan. Tous ces tremblements de terre, tous ces secrets. Arc, c'est perdu. Les dieux nous ont abandonnés. L'avant-poste a été attaqué par les Ilcides. Intéressant leur dialogue. Se prend cette Alicia. Gary n'est pas si bête. Il n'épousera jamais. Ah, Alicia, c'est pas celle qui se la pète. Capture des gens pour les revendre. Oui, trafic d'esclaves. C'est pas vraiment un endroit pour élever des enfants. Maintenant, allez, Amshagar, et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraos et Zoark. Voilà. Détruisez cette maudite statue. Alors, quand il dit statue, c'est pas une statue, c'est un météore. Là, par contre, je comprends pas. Mais il est dans la confusion, le roi. Mais Zahor et Croark, c'est les deux parties de la super arme qu'il me faut pour vaincre le météore que le roi appelle la statue. La statue du démon. Lui, c'est le grand mage. Amshagar, mettez-vous en quête de Kraos et Zoark. Je fais des cauchemars toutes les nuits en ce moment. Il paraît que les gobelins capturent des gens pour les revendre. Salut. C'est pas vraiment un endroit pour élever des enfants, cette forteresse. Bonjour, Débile Olive. J'ai vu un rat ce matin, mais comme ça je te... Pff, il parle des rats maintenant. Il est où le barde? Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc au sol. Merde, au moment où je me marrais avec le barde, il est plus là. Ah bah non! Oh, c'est dégueulasse, j'ai pas de bol. Bon, je vais aller voir les commerçants humains parce que j'ai des trucs à leur vendre, là.
Je pense que le forgeron va me réparer pas mal de trucs. Alors, Devil Olive, tu dis la vache, c'est goldé aussi ce jeu niveau dialogue. Ah ouais, non, mais il y a des répliques. Mais... Ah, le moment où j'ai un diadème sur moi, il n'y a plus le barde. J'ai vraiment pas de bol. J'ai pas de bol. J'espère qu'il n'y a rien arrivé au barde, d'ailleurs, du coup. Parce que sinon, je vais pas voir la vanne dont m'avait parlé Olive qui tue. Bon, allez, les commerçants. Alors, attends, on entend un bruit, justement, de forge. Je sais jamais où est le forgeron. Le forgeron, il est pas là? Non. Il n'y a pas de... J'allais dire dans tête. Il n'y a pas de... D'indication comme quoi c'est un commerce. Non, ça c'est le banquier. C'est pas lui le forgeron? Non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est la maison de garde. Oh, je me perds! Pourtant c'est un petit patelin, mais... Ah, attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit qu'il avait faim. Attends, je mangerai un peu plus tard. Je me souvenais même plus de l'endroit. Qu'est-ce que... Attends, c'est quoi ça? Tant pis, je vais cramer une torche parce que... Ouais, bon. Roule ma poule. Merde, il est où le forgeron? Oh, le forgeron, t'es où? Putain, mais on entend qu'il frappe sur son... Non, c'est fermé. Merde. Ah, c'est là, je crois. Oui, le forgeron. Salut, mon gars. Choisissez une arme en accord avec votre style de combat. Merde, je suis en train de voir que mon matos est en état. Ah non, pas ça. Ça, c'est cassé. Merde, je lui ai lancé mon arme. Oh, le con. Attendez. Oh merde, elle est dans le feu. Non, elle est à moi. Rendez-la moi. Comment on fait pour réparer? Je sais plus. Je sais plus. Je croyais qu'il fallait glisser les armes sur le forgeron. Ah, comme ça. 380 pièces d'or, la réparation. Ah bah la vache. C'est pas donné. J'ai préféré comme c'était avant. Oh l'autre. Ça parle mal. Alors les bijoux, faut que je les vende. Ça, faut que je le range. Oh. Ça, c'est un peu endommagé. 180, hop, je le répare, il est comme neuf. Ouais, après. Alors mon armure. Dans quel état est mon armure? Attendez. J'ai 68-80, 74-80. 73-80, non, mon matos tient, les anneaux ça se répare pas, c'est incassable, donc ça va. Ah oui, c'est physique hein, le métier de forgeron, je comprends pourquoi il gémit. Est-ce que je lui vends une arme? Je pense pas. Alors je vais voir un autre commerçant pour vendre les deux colliers là et les deux bagues sans importance que j'ai trouvé mais qui ont de la valeur. Je vais me faire de la thune. Après je redescends chez les gobelins dans leur réserve qui est devenue mienne pour ranger mon inventaire. Là j'ai trop de trucs sur moi. Et je redescends dans la crypte. Je reviens ici et je redescends dans la crypte. Bah pour continuer l'exploration et la suite du passage secret puisque j'ai le levier. Les gobelins, je crois que c'est là les gobelins. Je suis saisi par le doute. Je me demande s'il n'y avait pas moyen ce que je déambule plus rapidement dans la... Ah bah il y a mon copain pêcheur ici. Oh la vache.
T'as les portails de... Ah, copain pêcheur. Comment ça va, le copain pêcheur artiste? Bonjour, ami de Grune. Moi, content de voir ami de Grune. Bah oui, moi aussi, content de te voir. Je suis content de te voir. Ta-li-la-li-la-li-la. Et je suis content de te voir. Alors, on se barre par là-bas. Non, c'est correct, en fait, le choix que j'ai fait. Ça devait être kiff-kiff bourrico au niveau du... on va dire, du temps de trajet. Alors, voilà. Là, on... Alors, j'ai salué un copain troll. Et là, je rentre dans le domaine des gobelins. Là où on démarre dans le jeu et qui sont finalement pas si difficiles que ça à patater. Regardez-moi le carnage. Il y a leurs cadavres qui sont partout dans les couloirs. Lui, je lui ai tranché la jambe, dégueulasse. Violence. Voilà, je voulais aller là. Hop là. Je vais aller dans la réserve des gobelins. La réserve qui est devenue mienne. Voilà, c'est ici même. Alors, je vais même plus avoir assez de la place dans les... Non, il y a trop de trucs. Oh, faudrait que j'embarque des... Comment on appelle ça? Des sorts sur papier, là, des parchemins. Oh la vache, j'ai même 5 cordes enroulées sur moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, j'ai quoi? Là... Ah oui, j'ai du matos. J'ai du matos d'alchimie. Fiole d'eau. Qu'est-ce que je fais? Réfléchissons. Je vais déposer les fioles d'eau là. Alors, vous voyez, je voulais pas qu'il y ait un trop long moment de flottement avec la quête du morceau de bois. Mais finalement, vous voyez, ça fait partie intégrante du jeu. Il y a de la gestion. J'ai faim. Ah, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, il a faim. Oui, bah je vais bouffer les deux poissons soi-disant frais que j'ai trouvé sur le squelette du malheureux là. Et ça va vite me libérer une case d'inventaire. Attends voir. Oh, c'est cru. Ah oui, c'est cru, merde, c'est vrai. Oh, mais il y a un feu pas loin. Ah bah, il y a la tarte aux pommes que je peux manger. Voilà, magnifique. Un délicieux repas. Non, le poisson cru, je vais le mettre là, alors. Voilà, j'ai ma case d'inventaire déjà libérée. Oh la vache, j'ai des côtelettes de rat, à plus savoir quoi en faire. Pourquoi je peux pas... Des côtes de viande crue, des côtes de viande crue, bah c'est la même chose. C'est bizarre, pourquoi ils voulaient pas que je fusionne les... Trop bizarre. Bon bref, c'est sans importance. Oh, je vais vendre le diamant moi du coup, parce que... Si le ménestrel s'est barré... Je suis désolé, hein, mais... Révélation, je sais pas pourquoi, mais... Ça pourrait peut-être me servir, la révélation. La révélation. Le bâton pour la crypte, les bijoux à vendre. Je crois que je peux... Le cœur de golem, je vais le ranger. Le cœur du golem, c'était du côté des méchants. Et je pense pas que je serais prêt à rendre visite aux méchants avant un petit bout de temps. Donc je vais mettre le cœur de golem là. Ça me libère une case. Je vais reprendre des torches sur moi parce que j'en fume pas mal là. J'en consomme à un rythme assez appuyé désormais que j'ai pris mes aisances dans le jeu. Les cordes, je vais les garder parce que descendant dans la crypte, il y aura sûrement un truc de descente en rappel à faire. Ou je sais pas quoi, que ça m'étonnerait pas. J'ai une coupe en or, je sais pas si je dois la garder aussi. Enfin, un calice en or. Est-ce que je dois le conserver pour une énigme ou est-ce que je dois le vendre? Je sais pas non plus. Les armes. C'est dans le coffre là que je mets... Ah non, je mets la bouffe ici.
Donc c'est dans le sac de riz que je mets les armes. Ah oui. Donc il y a une dague magique, je sais pas à quoi elle sert, je la mets là. L'épée ornementée avec extra dommage, c'est elle que je vais garder. Et ça, je vais le ranger, je sais pas comment parce que j'ai pas la place. Merdoum. Merdoum, crotium, bordelum. J'ai pas le droit de le mettre là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attendez. Là, j'ai de la bouffe en trop. Ça va encore me libérer des cases ici. Ça, voilà, je le range là. Je garde juste l'épée là, le bâton, l'épée de drain de vie. Je peux pas garder 50 armes sur moi, c'est pas possible. Je vais la ranger là. Oh la vache, j'en ai des dagues. Bon, bah, pas mal, pas mal. Je pense que je peux me barrer. Est-ce que je vais vendre un superflu, enfin un surplus que j'aurai? Attendez, les diamants. Anneau maudit de souffrance. Alors je vais le vendre. Parce qu'évidemment, comme c'est un anneau à malus. Régénération. Oh, l'anneau de régénération, il est cassé. Putain, c'est fou, il faudrait que je le répare. Bah j'en ai un qui est neuf et un qui est pété. Je vais vendre celui qui est pété. Anneau de sort. Ouais, mais bon. Ouais, bof. Ouais, non, je vais en vendre un aussi. Je vais éviter d'avoir des doublons, ça sert à rien. J'ai un anneau non identifié. Là, j'ai un bouquin. J'ai des notes. J'ai des pierres d'Amicar. Est-ce que ça se vend, que c'est un bonus? Ou est-ce qu'on s'en sert dans je sais pas quoi? J'ai pas la réponse. On est d'accord que je n'ai plus d'aliments à cuire. Ok. Je vais retourner donc chez les humains. Faire du commerce. Et enfin, on retourne dans la fameuse crypte. Faire le passage secret. Ah, tout un programme. On va y arriver. Et je bois un coup d'ailleurs, le temps du chargement. Oui, je vais reprendre le téléporteur, ce sera plus rapide de passer finalement par le téléporteur. J'espère ne pas avoir des dégâts de chute. Ah, original, très bien, j'ai eu zéro dégâts de chute, ça fait plaisir. Menant au château... Non, la ville d'Arx. Je vais pas aller au château maintenant. C'est bien d'ailleurs, le téléporteur, il est là où il y a les commerçants. Donc, des bijoux à vendre. Et puis la crypte est juste à côté. La crypte, elle est là, donc c'est tout bénef. Celui qui rachète les diamants, je crois que c'est lui, le joaillier. Salut mon gars! Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-moi. Ouais, il a les bijoux, les diadèmes. Alors, hop, 135. Merde. Bah alors? Oh, j'arrive même plus à. Hop! Des colliers dont j'ai rien à péter. 56 unités. Les bracelets, 67 unités. Allez! Alors, les bijoux, 86 pour celui-là. 315 pour l'anneau de la souffrance. Oh la vache. Et l'anneau de sort, 200 et quelques. Eh ben, c'est cool. J'avoue, je suis fait de la tunasse. Oh, le calice en or, 89 seulement. Ah, à mon avis, il est pas à vendre le calice. Il doit être à... Il doit faire partie d'un mécanisme ou je sais pas quoi. La crypte. Descendons en enfer. Et puis là, je vais devoir faire usage des torches. Donc le chargement fait, je vais sauvegarder. Torche et... Ah ah, je vais découvrir avec vous. Putain, elle fait peur, la statue, au fond. Je crois qu'il y avait un mec qui m'attendait pour me buter. Tout
de suite, ça m'a fait l'effet là. Exploration, exactement. Waouh. Alors, torche. Voilà, on y voit mieux. Le passage secret, il était où? Il était où le dit passage? Ah, il y a une porte scellée. Une herse. Oh là là. Tant de mystères. Là, il y avait les tombes que j'ai pillées, il n'y a plus rien. Là, il y avait des tombes en bas, c'est pas la peine de les faire. Là, pareil, les tombes ont été... Oh la vache. Carrément, la dalle qui a sauté. Donc, ça doit être par là. Voilà. Et là, voilà, levier cassé, je vais mettre le bâton. Non, pas comme ça. Ou comme ça. Ah oui, comme ça, pardon. Voilà! Oula. Il y a un truc au bout, là, ou... Ah oui, attendez. Il y a une serrure. C'est pas une serrure des rebelles, quand même. Non. Non, non, c'est pas le territoire des rebelles. Mais à quoi sert la serrure? Ah, il y a une poule qui est arrivée jusque là, je sais pas comment. Waouh, là il y a un bijou. Merde, oh, pardon. Il y a les gargouilles qui heureusement sont pas piégées. Bah. C'est tout? Bah. Ne me dis pas que... Non, 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 il y a encore un secret à relever, là. Ah, une clé. Petite clé en métal. Je l'ai rajouté à mon trousseau. Eh, comme quoi, faut être observateur. Hein. Faut être observateur. Alors, Sésame, ouvre-toi. Ah, ah. Ah, 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 ah. Que signifie... Non! Je suis revenu là! D'accord! Oh! D'accord! Accès à la crypte! Oh, les ramifications entre tous les sous-sols, c'est un truc de fou. Ça fait partie intégrante du charme du jeu. Oh là là. Et y avait la grande salle en bas, je crois. Voilà, j'ai tué les frères stéréo, là. Ah non. Merde, ma torche vient de s'éteindre. Et là, je suis froidement assassiné dans le dos. C'est cadavre, c'est horrible. Tant de morts. Attends, il y a un truc... Ah, il a quelques pièces. Oui, oh. Allez, je fais mon radin pour 9 pièces d'or. C'est quoi ça? C'est ici que les inconnus reposent en paix. Ah oui, les anonymes. Voilà, la statue qui me faisait flipper, là. Et là, j'ai pas progressé non plus. J'ai pas progressé non plus. Il y a un rat, il y a la herse. Là, il y a... Je sais pas quoi. Ouais, il y a une herse. Alors ici, il y a une énigme. Ici, il y a un truc à faire. Sur les côtés, ça a l'air d'être la pauvreté. Attendez. Le protecteur du héros repose ici.
Le protecteur du héros repose ici. Ah oui, on m'avait dit que je pouvais piller sans vergogne. Donc je prends le bracelet que je vendrai à l'occasion. D'ailleurs si... Oh non, je vais pas me mettre à péter les tongs quand même. Je vais pas... J'aurais honte. Enfin, faut peut-être le faire, vous me direz. Je suis un monstre. Piochon. Ah non, ça marche pas. Alors je me suis pas mis devant. Merde. Non, ça marche pas. Et l'autre ? Non, non, je peux pas interagir. Alors, il y a cette foutue statue qui fait flipper. Il y a une madame tout sourire. Et il y a un bol. Mais dans le bol, faut mettre un objet quelconque ou un bracelet ? Comment dire ? C'est débile. Oh, il y a un truc. Quoi ? Achanta. 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 Ah, le calice en or. Mais non, mais c'est débile. C'est encore plus débile de mettre le calice en or ici. Non, non, non. Achanta. Alors, là... Je sèche. Et là, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de tablette à lire, il n'y a rien. Il y a... Je sais pas. Il y a le rat là qui... Hein, qui, à mon avis, on ne peut pas s'atteindre. Mais un jour, quand j'ouvrirai cette herse, je le... Il n'y a rien en hauteur. Il y a peut-être quelque chose de planqué en hauteur, non? Attendez, c'est beau, hein? Franchement, l'atmosphère de la crypte, elle est bien. Il y a... Vous savez, ça me fait penser à une quête de Diablo, Diablo 2 ou Diablo 3, je sais plus. Non, je crois que c'est Diablo 2. Il y a le grand roi Léoric qui a été maudit, là, qui a un grand squelette. Et on dirait la crypte du roi Léoric dans Diablo. Et ça fait vachement haut, le... Non, je pense pas que... Non, je vais sortir de là parce que j'ai pas d'idée. Je vais laisser le calice en or ici, c'est rigolo. Mais... Merde. Il y a un truc qui m'échappe ou c'est peut-être pas maintenant. Mais c'est bizarre. Non, mais... Parce que on m'a invité à aller dans la crypte maintenant. Qui c'est qui m'a dit d'aller dans la crypte? Qui c'est qui m'avait dit va dans la crypte parce que il y a le corps d'un mec, d'un aventurier qui doit y crever là-bas. Il y a possiblement l'arme que je recherche ou le bouclier que souhaiterais avoir. Ah oui, non, c'est la chef des rebelles qui veut que je trouve son bouclier sacré qui est sûrement dans la crypte sur la tombe du père du roi actuel. Mais oui, ça me revient. Ça me revient, ça me revient. Donc, il faut que je résolve l'énigme de la crypte. Merde. Merde, 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 merde. Je vais revendre ce que j'ai trouvé là déjà dans le... Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Allez hop, deux colliers en moins, vendu. Adjugé, vendu. Attendez, je réfléchis, là, ça chauffe dans le cerveau, là. Alors, forêt de champignons. Je pense que je vais aller trop loin, parce que j'ai rien à y faire dans l'immédiat. Portail menant au souterrain, au cave. Remarquez, j'étais pas... Je crois que je suis en train de demander conseil aux femmes serpents, non ? Attendez, je vais revenir au...
mais je vais rebrousser chemin. Je vais revenir là où j'étais chez les femmes serpents à partir de là. Ça je le ferai plus tard une autre fois. Oh merde, il y a un rat qui m'enquiquine. Voilà. Le passage était là. Au moins, ça laisse des perspectives intéressantes dans le jeu. Parce que au pire, si je suis complètement largué et que j'arrive pas à progresser dans la crypte, je viens ici, mais il y a un risque. J'étais mis en garde par Olive Kitu qui me disait attention à pas déglinguer le jeu en allant dans des endroits où je suis pas censé être. Ou malencontreusement de tuer des personnages qui sont indispensables au jeu. Enfin, à l'intrigue principale. Oh, je me perds. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Elles sont du côté où c'est allumé en orange, les femmes serpents, oui, apparemment. Oh la vache, ça a de la gueule. Non, c'est fermé. Non, la serrure, elle est fermée. Là. Puis-je passer ? Ah ! Voici le chemin. Voyageurs du Noden, marchez entre les deux serpents et vous trouverez... Alors, voici le chemin, voyageurs du Noden, marchez entre les deux serpents et vous trouverez notre mère supérieure. Elle et elle seule peut vous aider à trouver Zorak. Zorak. Oui, je lis par-dessus elle parce que la voix en susurrant en serpent, là, c'est inaudible. Marchez entre... Ah, les deux serpents, d'accord. Waouh. J'ai... Oh. Je peux pas activer votre portail? J'aimerais bien, là. Je vois que vous avez un portail. Me fais pas flipper, Fun Fan. Alors, putain, mais elles sont inaudibles, les nanas. Alors, voici donc le gardien. À moins que vous ne préférez qu'on vous appelle humainement Amshagar, je suis Zanalch. La mère supérieure. Je m'appellerai importe peu. Je suis ici car j'ai besoin de Zoark. Intéressant. Alors, intéressant. Et qu'est-ce qui peut vous laisser croire que l'ordre serait prêt à se dessaisir d'un tel objet en votre faveur ? En votre faveur. Oui, ça fait ASMR. De simplicité. Agba prépare sa venue sur Arx, ainsi que la destruction systématique de toute forme de vie dans cette dimension. Je suis le seul capable d'interrompre le processus. Il me faut néanmoins ce fameux Zoark. Belle démonstration. Oui, ça fait très ASMR, c'est rigolo. Ah, elle a ri en plus. Belle démonstration. Mais le cœur du problème est ailleurs, gardien. Sachez que Zoark ne représente rien sans son frère Kraorz. C'est par l'union de ces deux objets qu'il vous sera garantie l'intégrité de vos énergies magiques. Or, Kraorz a été volé par un groupe de rebelles. L'Unshire, le roi humain, a toujours échoué dans toutes ses tentatives pour nous le ramener. Je trouverai Kraorz. Vous le trouverez, à moins qu'elle ne soit déjà en votre possession. Mais là n'est pas la question. Elles sont vraiment inaudibles. Hein. Alors, vous le trouverez, à moins qu'il ne soit déjà en votre possession. Mais là n'est pas la question. Pour l'heure, la destruction d'Akbar représente une priorité. Oh, les animations qui font saccader le jeu, c'est une horreur. Sortez victorieux de l'épreuve de discernement. Voilà, c'est un examen que nous faisons passer à chaque nouvel initié de l'ordre. Il s'agira de ressortir du temple. Il s'agira de ressortir du temple, des illusions. Et j'ai pas le temps de lire la suite. Voici la clé de notre temple, faites-en bon usage. C'est dommage que ça... Tant pis. Mais et alors voilà, il y a des années là quand il était sorti, je crois que j'avais eu la chance de l'avoir un an après sa sortie, j'y avais joué et j'ai jamais fini le jeu. Pourquoi? Non merde, je viens de sauvegarder, il faut que j'arrête mes âneries. J'avais jamais fini le jeu, pourquoi? Parce que putain, ça présente bien. Parce que leur énigme, j'étais coincé. J'étais resté coincé par les énigmes des femmes serpents. Pardon mesdames, mais je profite du téléporteur. C'est trop important pour moi. Merde. Alors, j'arrive à faire manger, moi.
Bah alors. Merci. Oh, Arsenos ! Bonjour, comment vas-tu, Arsenos ? Oh, mais hey, je les ai presque tous, eh ! Oh ! Il manque le tout dernier, et puis c'est bon. Oh, trop fort ! Portail menant aux caves et tout. Ah ! Le niveau 6, c'est celui des femmes serpents. C'est celui-là. Oh, trop bien. Alors, je crois que je suis en droit de me promener chez elle, mais faut pas que je fasse n'importe quoi. Bah là, j'ai pas le droit d'y aller, je pense. Ça, c'est quoi? Oh, c'est leur bibliothèque. J'ai le droit d'y aller? Bonjour. Je suis Silash, et je m'occupe de cette bibliothèque. Ah. Enchanté, Silash. Eh ben la vache. Belle bibliothèque. Les règles du Noden, dimension des dieux, la cuisine pour les gobelins. Mais la cuisine des gobelins, j'avais déjà un exemplaire. Le codex de l'ordre. La guerre des mages. Oula, c'est hyper sensible. Les règles du Noden, blablabla. Parchemin de lévitation. Bon, bah, je sais pas, je verrai bientôt. Je verrai bientôt. Là, il y a quoi? Ah, c'est là où je les avais cambriolés. C'était leur cheminée par où j'étais passé pour dérober leur coffre. Elles ne m'ont pas vu. Ta 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 ta. La femme serpent. Qu'est-ce qu'elle me fait? C'était une révérence, là, ou quoi? Ou elle me fait du charme? Mais à quoi elle joue? Au revoir, madame. J'ai pas compris, là. C'est là où, le dos tourné, elle se met à danser la Macarena. Mais ça me ferait le même effet. Le temple des illusions. Ah bah c'est le bouton qui marchait pas peut-être. C'est ça le temple des illusions, non? Ah non, ça marche pas. Bah merde. Elles m'ont rien donné. Ah si! Si si, j'ai un globe lumineux. Ça va pas dans mes clés ça? Non. C'est ça? Ah! Voilà! Et là, je suis fou, je m'enferme. Quoi? Pourquoi j'entends des gémissements? C'est quoi ce délire? Ouais, il y a un truc derrière un rideau. C'est obligé, il y a un truc derrière un rideau. C'est quoi ça? Le hall des valeureux. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Non, c'est que de la déco. C'est pas idiot, hein, mais c'est que de la déco. Oh, j'ai vu quelque chose. Eh oh! J'ai vu quelqu'un bouger. Qu'est-ce que... Passage secret. J'ai vu quelqu'un bouger. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelquefois, ce que l'on peut voir n'est pas le réel. Ah bah c'est pas mon parchemin de révélation? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors je sais pas comment je joue là. Attendez. Je vais sauvegarder une énième fois là parce que... Oh là là! Ça y est, je suis parti dans la...
dans la... Non, tiens, j'aurais pu écraser mon test. Dans la... les énigmes. L'action est terminée, maintenant on est dans la partie énigme. Le cerveau bouillonne là. Et j'avais jamais résolu les énigmes des femmes serpents. Alors est-ce que je vais être plus frais, j'ai envie de dire 20 ans plus tard. Merde, je me suis trompé, j'ai tiré. Je voulais pas. Et la désillusion? Bah. Pourquoi la désillusion fonctionne pas? Bah. Attendez. Pourquoi ça a bugué? J'ai réussi à faire le tir, mais pas le sort des illusions. Là, j'ai pas compris. Je vais faire l'inverse. Je vais appuyer sur 2 pour faire la désillusion maintenant. Voilà. Bah non. Je suis désolé, mais la désillusion a fait rien du tout. Là, il y a plein de manettes. Il y a une combinaison à trouver. Quelquefois, ce que l'on peut voir, c'est pas le réel. Ah, je peux rentrer dedans. Non. Bah, je comprends pas. Ou alors, il faut que je sois... Attends, il y a encore des rideaux. Non, bah, je pense qu'il y aura rien derrière les rideaux, finalement. C'est juste de la déco. Ah, si, il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'était. Oh, c'est quoi ça? La faiblesse du serpent doré se trouve là où son épée croise son sceptre. La faiblesse du serpent doré réside là où son... quoi? Où son épée croise son sceptre. Une épée et un sceptre croisés, c'est le talon d'Achille des serpents dorés. C'est fermé. C'est fermé. Ah, je verrai plus tard. Putain, la vache. Je sens que je vais rester planté là. Pourquoi c'est creux ça? Attendez, il y a un truc si je me mets au-dessus. Pourquoi le plafond est irrégulier? Il y a quelque chose? C'est quoi? Une teinture, ouais. Attendez. Je vais recharger. Je vais recharger parce que il faut peut-être que je sois collé au mur bizarre là en gris gravé pour faire la désillusion. J'étais peut-être trop distant du truc. Attendez, je me colle au machin. Et là, je fais désillusion. Je comprends pas. Je comprends pas. C'était où le passage? C'était là, je crois. Ah oui, on voit. C'est plus sombre que la normale. Voilà, le levier était là. Voilà, le portail, le truc s'ouvre. Ou alors la désillusion, elle est là? Ou c'est, il faut que je tire contre le truc? Comment ça, Gling? Il m'a fait Gling comme si j'avais une entrée dans le journal. Oh, ce jeu! Alors, je vais lire le journal du héros. Alors, attends, j'ai offert ce livre à Graine. Il semblait très content. Il m'a donné une amulette. Je me suis fait un nouvel ami. Ah oui, c'est ça, oui, non, on s'en moque, c'est le troll. Alors, j'ai rencontré la fille que j'ai sauvée dans le temple d'Akba. J'ai été surpris d'apprendre qu'elle est le chef des rebelles qui ont volé Lunchire, mais ça a que trop peu d'importance car elle me donnera Kraoz si je lui apporte un bouclier.
Apparemment, ce bouclier des anciens, comme elle l'appelle, se trouve quelque part dans le second niveau de la crypte. Donc, je suis peut-être pas censé être là maintenant. Mais la crypte, je vois pas, il y a la statue avec le bol. Mais j'en fais quoi du bol? C'est ça que je comprends pas. Attends, ça fait gling. Si ça fait gling, c'est qu'il s'est passé quelque chose au niveau du scénar. Ça a bougé de l'autre côté quand j'ai tiré ici ou pas? Waouh. Ou alors c'est chronométré. Je comprends pas. Je comprends pas. Je vais... Alors, je vais faire la magie de désillusion sur l'autre gros bloc. Et pas le petit qui me fait face là, mais... Ou alors je peux... Merde, non, c'est là. Ou alors... Voilà, on voit que ça bouge. Ou alors... Je fais la désillusion sur le logo du serpent, là. Non. Bah, y a rien. Non. Et attendez, si je tire, on est d'accord? Ça va faire la musique gluing. Ouais, ça fait gluing. Il y a eu le bruit de la harpe. Donc j'ai déclenché un truc. Ou le truc est cassé et je passe au travers. Non? Je comprends pas. Vraiment, je pige pas. Je vais aller revoir à l'opposé. Est-ce que ça a changé un truc? Attends, je pense que je vais faire une sauvegarde où je vais... rue les rues des dégarnis. Sacré Benzaïten, là. Je crois que je vais sauvegarder un moment où j'ai retiré tous les draps des murs. Parce que au moins, si je dois voir un truc, autant que je l'observe. Oui, réhydraté, t'as raison. Ça va être ma dernière gorgée de café. Mmh. Je vais me resservir du... De la racine, là, du gingembre. Attendez, 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 attendez. Alors, les rideaux. J'ouvre tous les rideaux. J'en ai rien à péter. Je veux tout voir. C'est pas aphrodisiaque le gingembre, pas que je sache. Pas que je sache, Benzaïten. Attendez, je vais même allumer une torche. Voilà, là il y a le passage. C'est quand même pas en ayant une torche en main que ça va changer, si? Pourquoi il m'a fait de la musique, lui? Ça me dépasse. J'ai déclenché un truc, mais quoi? Je... Voilà, 13. Non, 13. 13e sauvegarde. Pige rien. Voilà, ça résume bien mon état d'âme, là. Pige rien. C'est un stimulant d'y Arsenos. J'avais fait quelques cours de cuisine au collège, il paraît que oui. Ah bon? Ça me fait pas tant d'effet que ça. C'est un tonifiant, d'accord. Mais ouais, un stimulant, comme dit Arsenos. Mais de là à faire zizi pampan, enfin, je vous ai bien lu, hein. C'est moi qui ai pas l'esprit mal placé. Oui, aphrodisiaque, ouais. Non. Enfin, moi, j'ai pas ressenti un effet aphrodisiaque en buvant du gingembre. Je pourrais pas dire honnêtement. Public.
Quelquefois, ce que l'on peut voir n'est pas le réel. Ah oui, tiens, j'avais dit que je mettrais la désillusion sur l'image du serpent. Ah, mais c'est ça le serpent d'or. L'épée et le sceptre qui se croisent. Faut viser là. Mais non. Mais pourquoi je peux pas faire. Ah. Si je... Non, mais il se passe rien. Je comprends pas. Puis là, il y a un truc. Non, c'est de la déco. Je comprends pas du tout. Point faible, point faible. Il faut que je tire sur le... Non. Mais non. Mais... Ah, merci. Mais non! Mais il se moque de moi! Mais c'est pas ça que je fais! Je fais le petit éclair! Voilà! C'est pas ça qu'il fallait faire? Il faut tirer sur le... Je comprends pas. Mais là, il s'est passé un truc ou pas? Non, je peux rien faire. Je pige pas. Oh, bonjour la Jed. Après, si on écoute certains, tout est aphrodisiaque, même la pizza ananas. Excellent. Benzai Ten, pardon que je sache, la Jed est un monsieur. Ou alors, après tous ces épisodes, là aussi... Enfin, bon, bref, le jar n'a... Sans offense, hein, le jar n'a aucune importance. Parmi mes spectateurs Twitch, mais... Enachèvement et aphrodisiaque. Nope. Mais non, mais... Puis moi qui arrive pas à faire mes sorts de magie. Magie! Non, là, je crois que j'ai merdé mon tir. Attends, faut que je me colle. Je comprends pas. Ah! Ah! Il s'est passé un truc. Là, le son a été beaucoup plus long. Le son a été beaucoup plus long. Non. Bah merde alors. Bah. Bon, je crois qu'on va repasser à la crypte. Benzaiten dit, moi je me fie au pseudo, donc je m'excuse fortement de ma bévue involontaire, soi-disant passant. Oui. Non, mais la Jet t'en prendra pas rigueur plus que ça, que je sache. Mais oui, t'inquiète pas, comme dit Funfan. T'es toute pardonnée, Benzaiten. Merde alors. Ne me dis pas qu'il faut que je fasse un tir à flèche d'arbalète. Parce que c'est une arme que j'utilise. Là, j'ai bien visé, non? Non, mais le jeu se moque de moi. Le jeu se moque de moi, c'est pas possible. Non, j'ai pas d'interaction possible. Il n'y a pas d'interaction. Je comprends pas. Ou alors une boule de feu? Comment je fais la boule de feu? Il y a moyen. Lance un projectile de flamme. Chouac, 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 chouac. D'accord, ok, ok, ok. Ok, ok. Alors, si je vise bien. Merde! J'ai relâché la souris. Croc.
Eh, en plein dedans. Et il s'est rien passé. Non, vous êtes sérieux? Non, mais le jeu se paye de ma tête. Attends, je relis l'énigme. La faiblesse du serpent doré se trouve là où son épée croise son sceptre. Eh ben... La faiblesse du serpent doré réside là où la son épée et son sceptre se croisent. Là, on est d'accord, le truc est pas ouvert. Serpent doré. On voit l'épée, on voit le sceptre. Donc, c'est là. C'est concentré à un point précis, mais... Je comprends pas. Je comprends pas. Je vais repasser à la crypte. Je sens que les femmes serpents. J'espère que je vais pas en arriver quand même honteusement à aller sur internet à chercher une soluce pour le prochain épisode. Mais ça me bouffe. Ça me bouffe. Je comprends pas l'énigme. Ou alors, je fais pas usage du bon... Attends. Il était où le téléporteur? Ah bah non, mais je peux aller chez les femmes serpents pour le téléporteur. Encore que... Attends, ça menait où ça? Je sais plus. Ah oui, non, ça je peux pas passer. La crypte. Je fais comment, moi, pour la crypte? Tiens, d'ailleurs, je vais être poli, je vais refermer derrière moi. Il n'y a pas un meuble dans une salle? J'ai envie de te dire, il y a des meubles un peu partout, Arsenos, mais... C'est toujours fort plaisant de regarder lorsque je troll de façon significative notre sage. Ouais, non mais... Franchement, quand j'étais plus jeune, j'étais pas allé au-delà parce que... Voilà, j'étais coincé à cause de l'énigme des femmes serpents. Je veux me barrer d'ici, s'il vous plaît. Bref, tant pis, allez, je laisse allumer. Je veux aller à la crypte. Je veux aller à la crypte, je vais dans la ville d'Ars. Merde. Alors la statue, le bol. Je peux interagir avec le bol. Je pouvais pas prendre le bol. Donc il faut que j'utilise un objet sur le bol. Il faut peut-être... Un bol, c'est un réceptacle de liquide. Alors je vais peut-être mettre... Ou de poudre. Attends voir... Il faut peut-être que je vide une potion dans le... Ah, je vais peut-être vider une potion de mes fioles dans le bol de la statue. Ça me laisse dubitatif, le truc. Oui, bon, attends, je reprends mon calice parce que c'est n'importe quoi. Déjà 14h. Le bol, je peux pas le... Attends. Ah, le bol semble réagir au glouglou. Mais j'ai pas la bonne substance. Faudrait que je mette deux. Non, ne me dis pas. Attends, il me reste de l'eau. Je crois que j'ai des potions inconnues. Je peux mettre du vin. Les gobelins avaient du vin. Les humains aussi, je crois, chez les rebelles.
Parce qu'il y avait pas mal d'ivrogne. Et il y avait du sang. Il y avait du sang. Le sang, je l'ai vu où? Le sang, c'était chez les maboules de la secte. Mais le problème de la secte, c'est qu'ils l'ont réinvesti les lieux. Et il y a des îles fils maintenant. Il n'y avait pas deux endroits où j'avais trouvé du sang. Attendez, ils ont quoi les marchands ici à vendre? Ils vont pas vendre du sang, c'est pas légal. Jetez un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. Attends, tu vends quoi, ma belle? D'ailleurs, t'as pas renouvelé ton offre? Non. Guérison de poison, potion empoisonnée, invisibilité. Ouais, je pense pas que ça aille jusque là. Là, elle a de la potion de soin. Oh, 236 la potion de soin, mais ça coûte une blinde. Là, elle a des runes. Non, je les connais. Oh, bonjour cousin, coucou. J'espère que ça va bien, que ça se passe bien ton dimanche en famille. Je suis en train de me casser la tête dans les énigmes de Arx Fatalis. Là, j'ai le cerveau en ébullition. J'ai le cerveau en ébullition. Une potion de mana. Ah, elle vend des torches. 16 pièces. Ah, oh, je vais refaire le plein de torches. Tant que je suis chez elle. Parce qu'à mon avis, la crypte, elle va être grande. Et puis, je vais être longuement exposé à des environnements sombres, pardon. Voilà, donc j'ai acheté plein de torches à la madame. Non, mais c'est pas ça. Oh, merdoum. Parier combien qu'il faut que je retourne dans la secte et que je dois m'emparer d'une fiole de sang. Non, mais c'est pas possible. Lui, il vend des diadèmes. Des joyaux. Ouais, non, c'est pas ça. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à mes marchandises. Oh, ce mépris. Je l'écoute même pas. Ça dort, alors j'en profite pour faire mon Lego. Ah, t'as bien raison. Bien joué, cousin. Nashelman, tu as toujours été quelqu'un de très mystérieux, dit Benzaï. Ah, ah, il a bien raison. Il a bien raison. Sacré Nash. Pourquoi la canne à pêche est abandonnée? Le pêcheur s'est barré. Il y avait un pêcheur ici. Ne me dis pas qu'il lui est arrivé misère. Attendez. C'est bizarre. On n'abandonne pas sa canne à pêche. C'est dérangeant de voir la canne à pêche sans le pêcheur. Je sais plus si c'était un humain ou un gobelin qui pêchait ici. Là, il y a des nénuphars. Non, il est pas là. Non, bah, je sais pas. Ah, que de mystère, que de mystère, que de mystère. Ça donne chez quelqu'un, je crois. Chez quelqu'un qui n'est plus là non plus. Merde. Elle était où la taverne de la secte? Elle était pas par là-bas, si je crois. C'était le passage déblayé, là. Là où il y avait des éboulis. Voilà, ouais. Il n'y a pas un autre endroit où il y avait des fioles de sang? Il n'y avait pas de sang chez les gobelins, je crois pas. Je sais plus. Est-ce qu'il y avait du sang, des fioles de sang chez les gobelins? Parce qu'il y a pas mal d'endroits reculés, délabrés chez eux, mais... Ah, peut-être. Peut-être. Ils sont bizarres. Attends, c'est une torche, ça?
Ça s'allume pas. Non, c'est... Ouais, c'est pas la lumière, là. Non, si, c'était la lumière. Mais non, ça a pas marché. Ah non, attends, j'ai mal fait. Non, mais c'est des torches. Non, mais... Enfin, bref. Oh, prends le son de Fun Fan, ça fera l'affaire. N'importe quoi, Benzaiten. Depuis que je te connais, je me triture le cerveau pour essayer de te percer à jour. Qui se cache derrière ce pseudo? Rio... Alors, cousin, tu dis j'ai commencé GT7 hier, mais j'accroche pas trop. GT7, Gran Turismo 7? Sérieux? Faudra que tu me racontes en détail, cousin, la prochaine fois qu'on aura l'occasion de se faire la causette. Tu m'intrigues. C'est fermé. Oui, c'est fermé. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Elle est en bas, là. Oula, non, je vais me tuer. Je vais pas sauter des remparts. Ah ouais, Gran Turismo 7. D'accord. Grand Télé 7. Fun, n'importe quoi. Oh là, il y a des mulots, il y a des poules, il y a des... Bordel. Gran Turismo 7. Ah oui, il est sur PS4, je crois. Oui, bah oui, je me suis raté au 6, moi. Oui, bah, faudra que tu me racontes, cousin. Parce qu'à vrai dire, je le connais pas, le 7. Ah, sur la PS5 pour toi. Oh la vache, bien. Donc tu l'as en haute qualité, théoriquement. Ah, c'est bien. Non, c'est une porte, ça. Ah, l'ivrogne est toujours vivant. Plutôt agréable, ce coin, non? Oui, très agréable. Il y a une secte à proximité, là, au niveau de l'auberge, tout va bien. On n'est pas en danger mortel, mais bon. Il est marrant, lui. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la porte qui donne sur l'extérieur, là, la grande porte scellée que j'essaie d'ouvrir. Je sais pas si je suis en mesure de la déverrouiller, parce que Olive Kitu, qui m'avait peut-être dit un peu trop de trucs sur le jeu, m'avait dit que t'auras une surprise si tu te rends en surface dans le jeu et que tu sors de la ville là, des souterrains. Alors ça doit être la porte là. Message de Fun Fan 1992. Colombo disait « Ma femme me dit qu'à chaque enquête, je dois mettre une casquette. » Mais c'est pas grave. Merde, c'était pas la 13, c'était la 12. Oh. J'étais la 12. 100. Oui, je sais pas, je t'ai pas compris, Fun Fan. Ouh là là, tu pars dans un délire. Alors attends, moi je vais partir dans un mauvais délire parce qu'il y a les Ilfides et ils vont me buter. Est-ce que je peux faire invisibilité, moi? Parce qu'il faut que j'arrive à me faufiler. Ou alors elle m'avait dit qu'ils sont vulnérables au feu. Champ de flamme. Fouac, chouac, chouac, chouac. Et chouac, ok. Oh merde. J'avais pas vu qu'il était déjà là, lui. Un jour, un cobra a vendu la jambe de Chuck Norris. Ah oui, elle me dit quelque chose, la vanne là. Merde. Merde, homme. Ah merde. Oh. Mais. Eh ben, c'est pas ça. Ah, l'autre, il va arriver, il va me buter. Eh ben. Non. Ça y est, il m'a vu. Je suis mort. Ah, c'est pas ça, c'est ça.
Non, moi je suis mort à l'instant. Ah, les salopards, c'est des chars d'assaut sur pattes, ces gars. J'en ai jamais zigouillé un seul, là. J'ai pas le niveau, je crois pas. Mais, ouais, du sang et des larmes, j'aurais dû appeler ma sauvegarde comme ça. Oui, un jour, un cobra mordu à la chambre de Rix, et après 5 jours de douleur atroce, c'est le cobra qui est mort, ouais. Ouais, je la connaissais, celle-là, elle est rigolote. Attendez, je révise ma magie parce que je suis même pas. Attends, c'est quoi ? C'est ça ? Bah oui, c'est ça. Bah oui, pourquoi j'ai pas réussi à faire passion ? Oh merde, il est déjà là. Oh. Oh la vache. Oh non, mais là il va me dévoter. Oh bah je suis mort. Oh merdoum! Merdoum! J'arrive même plus à faire un champ de flamme. La honte! Pour un. Merde, je me suis trompé de sauvegarde. La honte pour un mage. La honte. Ah, c'était la sauvegarde où je faisais le pillage dans la crypte la semaine dernière. Merdoum! Je vais entraînement. Ah bah là j'y arrive. Et comme ça. Non ? Mais. Attends, mais c'est abusé. Ou alors il y a une encoche. Non ? Non, il n'y a pas d'encoche. Bah, c'est un semblant de G, non ? Pour moi. Ça ne cassera pas comme ça. 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 Ça ne cassera pas. Robix. Ça ne cassera pas comme ça. Trop solide pour moi. Ça ne cassera pas comme ça. Et là, il a perdu toute sa mana. Vache. Bon. Alors, si j'ai bien retenu le signe. D'ailleurs, je vais m'exercer à faire juste le signe champ patio là, passage. Attendez, parce que ça va rien consumer si je fais que du patio. Parce que chant tout seul, ça veut rien dire. Voilà. Ça y est, je maîtrise le glyphe. On va appeler ça un glyphe. Bon, le mec. Il est où? Oui, il était pas là. Ah, j'avais laissé des trucs ici. Massue, fiole d'eau. Dag, note. Ah merde, le blé. Je crois qu'il m'a vu. Ouais, il m'a vu. Merde! Évidemment, dans l'action, j'y arrive plus. Oh là 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 là. Lui, il va me faire suer grave, hein. Il va me faire suer grave, mais quelque chose de bien, quoi. Ah, c'est limite si... Mais je crois que j'avais... Non, j'avais pas champ de feu dans les parchemins. Parce que là, un parchemin m'aurait fait du bien. Regarde. Je me mets là, le mec va arriver. Donc, non. Ah. Merde, je me brûle moi-même. Allez, je bois de la mana. Mais non, mais... Ah, évidemment, le gars, il reste pas dans mon champ de flamme. Alors, attendez. Il faut que je trouve le moyen à ce qu'il reste bloqué dans le décor. Ça fait une contrainte supplémentaire bien chiante. Ah, ça me bouffe. Comment je peux faire pour coincer le mec? Ou alors il faut...
Ouais, parce que là, il va me voir. Ouais. Voilà, là, il m'a vu. Merde ! Mais le jeu se moque de moi ! Mais c'est une blague ! Je fais le truc sur grand écran, il me le refuse ! Bloque-le dans la pièce, tu mets le feu et tu fermes la porte. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est suffisamment malin pour se barrer. Non, il en est vraiment à moi. Donc si moi je suis déjà bloqué contre un mur et que je mets juste les flammes devant moi, il va être devant moi, donc il va cramer. Mais là, j'ai pas aimé ce que m'a fait le jeu. Hein. Me refuser le glyphe tel que je l'ai fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, le v'là. Ou alors je me mets sur le lit. Je sais pas si je peux. Ouais. Attends. Test. Je vais sauvegarder, je vais appeler ça test parce que... ou castagne, allez hop, je vais prendre le... Alors... Flamme et chant. Merci. Et là, il ne reste pas dans les flammes, cet idiot. Non. Ah, il a fait usage de magie. J'ai dû le blesser. J'ai dû le blesser, mais on va y arriver. Hein. Je vais m'acharner à me le faire. Oula, bah non, là il me verra pas là. Tac, 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 tac. Non, bah non. Bah oui, mais. Oh l'autre, il monte sur le lit! Oh non! Le mec, il peut monter sur le lit aussi! Oh là là! Je m'attendais pas à ce qu'il arrive à être aussi. Non, mais ils sont imbattables! Olive qui tue, qui me dit c'est simple pour leur casser la gueule, il faut leur mettre trois boules de feu dans la tronche! Mais on fait pas trois boules de feu comme ça en claquant des doigts! Je sais pas comment. Oh bah, le simple trait, déjà, il l'a refusé. Allez, on recommence. Là, c'est en train de me frustrer et de m'agacer. Vraiment. Vraiment. Je... Faire de la magie de qualité quand t'es en... Hein, en stress, c'est même pas la peine. Putain, la maîtrise de soi que ça demande, c'est nain. Là... Merci. Et là, il crame pas. Je vais quand même pas foutre le feu à mes pieds, si. L'autre, il se casse. Il est déchaîné. Il va donner le mot et l'alarme aux autres. Intrusion. Non, mais sérieux. Non, mais là, il va me voir. Allez, passe le mélote. Je comprends pas.
comment je peux me le faire? Ou alors, magie de illusion, je deviens invisible. Vu l'étroitesse des corridors, je vais pas passer. Hein. On va se toucher à l'aveugle. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Oh là là, ça y est, je suis mort. Zen, soyons zen, ta la 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 ta, du sang froid dans les veines, zen, restons zen. C'est extrêmement frustrant. Bordel, si là je fous le feu comme ça. Non, je finis par faire mes glyphes en. Oh! Et puis évidemment, l'autre il est plus là. Ah! Ouais, mais il est plus dans les flammes. La pièce est trop grande. La pièce est trop grande. J'ai bouffé toutes mes potions de maladie et la pièce est trop grande. Merde. Merde. Attends, je vais prendre la précédente où j'entre dans la secte. Et je vais... Mais non, mais comment je peux la tirer? Ou alors c'est à moi de le coincer. C'est à moi de le coincer quand il fait demi-tour tout au bout. Mais non, c'est trop long. C'est trop long. Ah! Ah. Ah, dommage. Il y avait quelque chose d'intéressant. Acharnement. Je veux me le faire. Acharnement. Le salopard. Regarde, je me mets à l'angle. Il va me patater à l'angle. Bah oui, forcément. Donc si je fais rapidement le trap. Le simple trait. Le trait. Le jeu me l'a refusé. C'est du foutage de gueule intégral. Zéro signe. Je comprends pas. Je fais quoi? Est-ce que je peux faire le champ de feu à mes pieds? Quitte à m'immoler. C'est atroce, mais... Voilà. Allez. Reste dans les flammes, ça. Ça va, il crame pas. Tranquille. Il est pas dans les flammes, il prend pas de dégâts. Merde. Ah, ça me bouffe. Ou alors, vous savez quoi? Je vais faire un vol à la tire. Je vais foncer vers la... Je crois que dans la cuisine, il y avait du sang, déjà. Je vais me barrer avec ce que je veux. Oh, putain, il est déjà là, lui.
Là, il me fouette tendrement dans le dos. C'était quoi? Oui, c'était du sang. Mais non, mais je peux pas. Je peux pas parce que tu peux pas saisir un objet à la volée comme ça. Donc je suis obligé de faire une manip d'inventaire en écran. Il m'aura buté 3 fois, 4 fois le gars. Invisibilité alors. À part l'invisibilité, je vois pas ce que je peux faire. Ah, on entend les pas. On entend les pas. L'invisibilité, c'est comment? C'est ça, je crois. Ah oui, c'est assez simple. C'est vrai. Attends. Il faudrait que je fasse invisibilité quand je suis dans son dos. Voilà, là, normalement, il me voit pas. Oh, merde, il m'a entendu. Non, mais non. Il sait que je suis là, donc il a... Prions pour que l'invisibilité me sorte de ce pétrin pas possible. Mais franchement, eux, je vois pas comment je peux les descendre. Allez, je suis devenu invisible. Putain. Je le percute, l'autre. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais regardez-moi ce troll. Oh là là. Eh, ne me dites pas que l'invisibilité, ça leur fait rien et qu'ils ont une vue transcendantale constante, là. Parce que... Parce que là, Olive qui tue, pardon, mais il faudra qu'elle me donne des explications, là, parce que c'est... Je sais que c'est des diables, des démons de haut niveau, mais quand même. Voilà. Mais non! Mais il me voit, le mec! Ou alors il m'entend. Je suis encore prêt à l'admettre, mais... Merde, je suis si proche du but. Alors, je reprends l'entrée de la secte, la précédente. Ah, c'est fou. C'est fou comme c'est rageant. Là, il est où? Là, il est pas là, donc il va pas me voir. Eh oui, refuse-moi le... Oh là là. Ah. Voilà. Non. Mais c'est quoi ces ennemis? Ça sert à quoi de faire de la magie d'invisibilité s'il me voit tout le temps? Ah ouais, non mais si j'aime me faire fouetter, mais... Non mais c'est abusé. Abusé. L'invisibilité qui a aucun effet sur... Bienvenue le savoir, mais point de fouet par ici. Sauf s'il nage de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Ça faisait longtemps que j'avais oublié que le son là existait, Nash. Et tu le sais, il t'est dédié. Je bouge plus. Ah non, il me voit. Incroyable. Trois boules de feu, disait Olive qui tue. Mais c'est trois glyphes pour une boule de feu, je vais jamais y arriver. Il m'aura buté 3 fois avant. Attends. Ah. Oh, mais reviens dans les flammes.
Pourquoi le champ de flamme? Attendez. J'ai un autre sort de flamme qui est de niveau 10 là. Mais j'ai peut-être pas assez de mana pour le faire. Je crois que je peux faire tout s'embraser. Attendez. Intense combustion de toutes les cibles affectées par le sort. Chouac. Alors, il est où le trollalol? Ah oui, il est reparti. Parce que si j'essaie de faire un... Non, j'y arrive pas. Ah, mais il est plus là, donc ça va pas. Ah, ça me bouffe trop de mana! Ouh, là il a dégusté, là. Ouais, mais non, je pourrais pas. Je peux même pas tendre le bras, il me viande, le gars. Il m'empale, mais il fait de moi ce qu'il veut. C'est pas croyable. Mais comment on peut les battre? Je n'accepte pas. Parce qu'ils sont nombreux, hein. C'est pas comme s'il y en avait qu'un seul, hein. Il y en a des dizaines, des loustiques comme lui, dans la secte. Comment je peux les... Ah, il est là. Regarde. Tiens, regarde la porte. Là, si je fais ça. Et j'ai merdé le glyph. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je peux pas, j'accepte pas que Arx Fatalis, qui est un si bon jeu, il y a quelque chose que je maîtrise pas, c'est pas possible. Ça peut pas être aussi balèze. Allez, mais l'autre il me bloque. Mais non, mais tu peux bouger. Comme s'il m'avait chopé. Alors que la piège peut sauter normalement. Là j'ai plus le droit. Ça aussi, c'est pas compréhensible. J'ai pas le droit de me débattre. C'est extrêmement frustrant, je comprends pas. Là, je bouge, là. Voilà, là, je danse la polka. Quand il est contre moi, je peux plus. Voilà, évidemment, je merde ça. Le U, ça passe ou ça casse? Merci. Trop tard. Dommage. Au secours, Olive qui tue, reviens. J'ai besoin de conseils, là, je ne comprends plus. Je ne maîtrise plus. Poil au U. Merde, je fais ça à mes pieds. Eh oh! Bah, tu vas m'accepter. Oh, là, là, là. Oh! Oh, puis l'autre qui m'ignore maintenant. Bon, allez, je vais brûler dans mes propres flammes de l'enfer, puis on en parle plus. Allez, c'est drôle. À mon avis, il faut fuir. Oui, mais le problème, cousin, c'est qu'il faut que j'accède à. Il faut que j'accède à une fiole de sang. Je suis persuadé que c'est du sang qu'il faut verser dans le ramequin de la. De la nana dans la crypte. Parce que ça semblait réagir à des liquides, mais j'avais pas le bon liquide. Et tu peux être sûr que c'est du sang. Surtout qu'à un moment, il parlait de vampires. Et puis ça expliquerait pourquoi j'ai acheté des pieux. S'il doit y avoir des morts-vivants, des... Bah merde, un micro, qu'est-ce que je fais, moi?
Il doit y avoir des... De toute façon, l'autre il m'a pas vu. Oui, il est reparti. Alors attends, je vais peut-être profiter qu'il est comme ça pour re-sauvegarder la castagne parce que. Attendez, je vais vraiment essayer mon coup du larcin. Il fait demi-tour où ? Non, il se barre. Merde, il m'a entendu. Ah, merdoum ! Ah, il vient pas. Ah si, il vient. Si, si, il est pas si débile que ça. Oh, non. Le jeu se moque de moi. Vite de la vie. Il est pas dans les flammes. Il est pas dans les flammes. Ça fait chier. Viens dans les flammes de l'enfer. Allez! Oh là 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 là! Et là, il meurt pas? Oh, c'est pas vrai. Où est la logique? Dites-moi où est la logique. Je suis désolé hein, de vous offrir un spectacle où je m'agace et où je progresse plus. Parce que je suis en échec, mais en échec que je n'accepte pas. Parce que là, pour moi, je devrais avoir une soluce à mettre en place. Et là, j'ai... Oh, il va l'entendre forcément. Hop là. Parce que, attends, si je fais ça... Merde, inventaire, je panique, là. Voilà, j'ai ma fiole de sang. D'ailleurs, je vais en prendre 3. Allez, hop. Bien fait pour l'orgueil. Je sauvegarde. Peut-être que le mec m'a pas entendu. Nouveau, c'est pas grave, je la renommerai plus tard. J'ai même pas envie de faire une saisie clavier, là. Et si je me barre, ça marche ou pas? Ah oui, le mec, il m'a pas vu. Sérieux? Ah, ça y est, il m'a vu. Ouais, mais pour lui, il est trop tard. Il est trop tard, je vais me barrer. Ah, il m'a rattrapé, merde. Hop, chargement. Normalement, quand je passe d'un niveau à l'autre, ils sont pas gérés. Donc, je vais être sain et sauf. Il est pas là. Alors, le problème, c'est que peut-être que le jeu va mémoriser qu'il y a un excité de garde des enfers qui m'attendra dès que je me réengagerai dans la secte. Mais... Ah oui, mon perso a faim. Allez. Oh, j'ai cette foutue fiole de sang, j'en ai même 3. La crypte, on y croit. Allez! Wouhou! Oh là 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 là! Ah non, mais je comprends pas. Le fait qu'ils soient autant balèzes à zigouiller, eux. Ils sont complètement craqués, mais dans tous les sens du terme. Parce que même la magie ne fait rien. Je me suis mis invisible, le gars il me détecte à 10 bandes sans me toucher, sans me sentir, il me détecte. C'est honteux. Oh la vache! Peut-être tu m'étonnes que les Ylphides sont reconnus comme étant des êtres immortels, imbattables.
C'est pire que des chars d'assaut sur pattes, c'est épouvantable, vraiment. Allez, Zou, je rejoins la cour du roi, là, les humains, les commerçants, go. La crypte. On va enfin avancer, enfin. Je désespérais de me sortir de cette panade. Ah non, mais la prochaine fois que je croise Olive qui tue, je lui poserai des questions, là, parce que... Elle qui connaît le jeu comme le fond de sa poche, ou pas loin. Mais comment tu veux tirer trois boules de feu sur ces excités? C'est impossible. Ça me dépasse, vraiment. Ou alors, il faudra que je relise, vous savez quoi, il faudra que je relise le manuel du jeu. Je l'avais fait une première fois au début, et j'ai peut-être oublié des trucs et astuces. Une manière de jouer, parce que après, je vois pas. Pariez combien que c'est du sang qu'il faut mettre dans le bol. En dehors de ça, je vois pas l'utilité des fioles de sang dans le jeu. Bingo! Ça m'a ouvert partout! Poil au cou. Et pas ailleurs. Donc là, c'était la 13e. On va l'appeler Soupir. Mais Soupir au pluriel. Non, mais il faut que j'apprenne à faire instantanément des Kamehameha. Oh putain, tu m'as fait peur. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ordaine. En passant par la Lorraine. C'est malin. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ordaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Une clé. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ordaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ordaine. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Pas de bouclier, donc c'est pas la tombe du roi. Non, je pense que la tombe du roi est beaucoup plus majestueuse. Du genre, comme justement le roi Léoric dans Diablo. Ça va être un truc qui est au milieu, qui est superbement orné. Et ben voilà la suite de la crypte. On va sûrement avoir un comité d'accueil. Comme des rats. Alors, j'ai déjà vu qu'il y avait de la lecture. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Oh, ça fait vampiresque. Oh, que ça fait vampiresque. Oui, j'ai dire, le jeu se moque de moi, parce que si c'est un morceau de bois ramassé, dis donc. C'est ce qui nous manquait précédemment. Ça fait vampiresque. C'est quoi la lecture? Merde, je suis en mode combat. À notre bien-aimé commandant, éternellement la troupe. D'accord. Attends, je reste en mode combat. Ouais, il y a des morceaux de bois, comme par hasard. Le jeu qui est moqueur. Là, il n'y a rien dans la tombe. Là, ça a l'air fragile. Et pourquoi il y a une dépouille ici? Ah, des pieux.
encore et toujours des... attends, je vais laisser les pieux dans le cadavre parce que j'en ai déjà 10 sur moi, j'en avais acheté plein justement. Je présume que je vais faire face à des vampires. Quoi? Non! Non! Ça s'arrête pas là! Ne me dis pas que c'est un boss, le commandant, là, et que c'est un commandant devenu vampire. Je m'attendais à ce que la crypte soit un peu dans un effet Diablo. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de passages. Je m'attendais même avec des ramifications. J'avais un soupçon, là, à un moment, le mur qu'on voyait en brique avec le levier, là, qui marchait pas, je sais plus où. Là, j'aurais accepté que ce soit une sortie de la... de la crypte. Bah oui, c'est un piège. Tu m'étonnes que je me suis mangé des dégâts. Non, attends, mais il n'y a pas de bouclier. Des jambières de discrétion en cuir. Oui, génial. Ça prend tellement de place que je peux pas les mettre sur moi, là. Attends. Je vais foutre l'épée là. Voilà. Ça, je vais me mettre là. Les jambières. Non. Non. Ah, voilà, j'ai changé. Jambières de maille, furtivité, machin. CA plus 5. CA plus 2. Ah non, non. Mes jambières actuelles sont meilleures que celles que je viens de trouver à l'instant. Non, faut pas que j'en change. Y'a rien d'autre? Bah. Je comprends pas. Remarquez, j'ai trouvé des clés. J'ai trouvé Coucou. Des... Putain, tu m'as fait peur. Heureux, tu une scène. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. J'ai trouvé des clés. J'ai trouvé des clés. Mais des clés de quoi? Oh, mon perso qui a encore faim. Ça me laisse dubitatif. Alors, je m'attendais à ce que la crypte soit beaucoup plus profonde et grande, mais non. Je me suis fait des illusions. D'accord, il n'y a rien derrière. Non, j'arrive pas à voir. Je me colle au mur pour être sûr de bien avoir la carte. Et non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Attends, j'ai trouvé des clés. À quoi servent les clés? Eh ben c'est ça. Les héros et leurs gardiens reposent ici. C'est ça en fait la clé, non? Tada! Oula. Je vais en mode de quand tu mon film sur mon drive. Oh, cool toute une scène. Léotex, je m'en moque. Vidéo assez intéressante, on en reparlera. Pour le moment, c'est pas le cas. Ah oui, oui. Ah, il y a une suite à la crypte, ça va. Me voilà rassuré, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Encore une dalle de sarcophage. Oh là là, je vais me prendre des pièges, c'est obligé. C'est obligé. Ne me dis pas que ça va s'animer, ça. Ils vont nous faire une Resident Evil...
C'est moi ou la... Mais oui, on dirait que la... C'est moi ou l'épée se distingue? J'ai l'impression que l'épée se distingue du chevalier. Lui, il la tient droite. Et je peux pas interagir avec. À l'opposé, lui, il la tient droite. Je peux pas interagir avec. Et lui, c'est pareil. Oh, oh, oh! Lui, il y a quelque chose à faire. Ah. Ah, la herse. Oh! Suite de la crypte. Là, je dis oui. À mon avis, il va y avoir des horreurs, là, pour de bon. Et j'ai espoir qu'il y ait le bouclier que recherche la... Oh! Ne réveillez pas les gardiens. On va tomber sur la reine d'Angleterre. On pourrait croire, en plus. Mon Dieu. Tiens, bah, je vais sauvegarder Castagne pour oublier le mauvais moment là avec les Ilfides de mes deux que je peux pas blairer et qui pour moi sont complètement craqués. Ah, une croix de Lorraine. un zombie de poison 2. Eh ben, je peux pas le planter. Eh ben voilà, je le plante. Il suffit que je mette des... Voilà à quoi servent les pieux. Sur les zombies. Hop là. Lui, il bougera pas. Voilà. Merde. Évidemment. Évidemment, c'est fermé. Ah. Là, il y a des cadeaux. Là, il y a des cadeaux. Là, il y a des leviers. Et là, il y a... Oh, oh, oh! Eh, c'est un piège, ça. Le truc, là, ça s'ouvre. C'est obligé. Et puis, c'est pas nouveau comme sujet avec les parents qui exploitent des enfants dans les vidéos YouTube comme Studio Bubble Tea, par exemple. Je connais pas. Soi-disant, après Elisabeth II, la monarchie doit être mise en cause. Renverser, ça n'a rien changé. Oui, mais les révolutions, enfin de cet ordre-là, j'ai envie de dire, ne se font pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui... Ça devrait fonctionner. Oui, ça fonctionne pas. Ça n'a pas bougé le levier. Ça devrait fonctionner. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Hein? Oula! Oula! Il se passe des trucs! Là, là, les contes de la crypte, c'est réussi! Attends, je reprends ma torche. Oui, c'est bizarre. Pourquoi ça fonctionne pas? Si je reste dessus, je vais mourir. Ça va se dérober sous mes pieds et quick. Non où y a... Ah, il y a peut-être un truc au-dessus. Qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi les... Pourquoi c'est figé? Que de mystère, que de mystère, que de mystère. Pourquoi là j'ai un symbole de diablotin là? Pourquoi? Bon bah je les pille. Ah ah, pillage. Zombie. Le zombie n'a rien sur lui. Non plus. Ah merde. Je
je comprends pas. J'ai un truc à faire avec ça ou... Là, il y a une... c'est... Non, c'est pas une pierre qui bouge. Ah, je marche dessus, il se passe quelque chose. Attendez, il y a peut-être un chronomètre. Oui, c'est un bel endroit pour un pique-nique. Ouais, tu m'étonnes. Attendez. Putain, je vais perdre le gain de ma torche, moi. Bah. Ah non. Ah, il faut que je mette quelque chose de lourd sur la... Faut que je mette quelque chose de lourd. Ah bah tiens, je vais mettre les jambières. Si je mets les jambières, ça marche. Ah. Les jambières sont suffisamment lourdes. Ah. C'est ça l'astuce. Va des rétro, Satanas. Je recule. Ah mon dieu! C'est horrible! Je déclenche tout, je m'en fous. Oula gars. Encore? Oh. Oh. Il y a des endroits partout! Oh, 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 oh la flip. Ouais. Je fais mon jeu d'Halloween avant l'heure. Je commence... Oh, une clé. Je commence à avoir les chocottes. Bah. Attends, il se moque de moi. Oui, il se moque de moi. Ah, guérison du poison. Pourquoi pas? Pourquoi pas une torche? Je veux bien. Dalle de sarcophage. Ouais, mais je vais pas tout piller quand même, si. Oh, j'ai des bugs dans le jeu là qui il devient tout fou au déplacement, c'est pas normal. Non! Ils m'ont enfermé les salauds. Ah, j'ai eu peur. Non. Oh, ça c'est piège. Ah! J'ai failli me faire dessus, là. Franchement. Ah, c'est ça, la dalle. Je la voyais plus loin, moi. Eh, vous savez quoi? Je vais mettre ma montre pulsation cardiaque. Je vais vous dire les pulsations que j'ai cardiaques. Parce que là, je viens d'avoir un coup de... Wouh! Attends. Merde, j'arrive même plus à la mettre. C'est vous dire à quel point je suis en... Attends. Je suis à combien, là, dans les... Je suis au-dessus de 100. 83. T'es sérieux? Ah! 104! Je suis à 104. Ça redescend. Non, là, j'ai eu un coup de... Wouh! Faut que je te fasse pareil pour Alien. Ouais, m'en parle pas. Ah, bah, je suis content que la crypte soit vachement grande. Ah, j'entends un rat. C'est fermé. Heureusement que je joue pas de nuit! Mon propre carillon a failli me foutre les jetons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un cul-de-sac. Ouais. Kryptonique. Boule de feu. Ouais, pourquoi pas. Oh! Oh la vache! Il en a des trucs, lui! Une corde. Bah, j'en cumule. Allez hop, sixième corde. Pardon.
Il a des torches, j'adore les torches, je prends. Il a des pieux, je vais en prendre un parce que j'en ai consommé deux. Une note. Une note. Alors quoi ? 1, 3, 1 est la clé pour ouvrir le trésor de mes frères. 1, 3, 1. Et le livre, c'est quoi ? Alors, lecture. Ma mission est inconnue du reste du royaume. Le roi m'a choisi parce que je suis le meilleur des chasseurs de morts-vivants. Je sais que ma tâche n'est pas facile, mais je me suis procuré tout ce dont j'ai besoin pour détruire ces abominations. Les momies sont des opposants redoutables, mais elles sont faciles à éradiquer, car leurs cadavres animés brûlent très bien. Les autres morts vivants sont plus difficiles à détruire car ils ont la fâcheuse manie de se relever quand on croit les avoir battus. Alors attends, il y a des momies. Ok. Le sort qui permet de les repousser est utile pour une courte période de temps, mais il ne permet pas de les détruire. Le meilleur moyen et le seul que je connaisse en fait est d'enfoncer profondément un pieu dans le corps du mort-vivant avant que ce dernier ne se relève. C'est alors qu'il sera détruit définitivement. Je pense que mon équipement ne me suffira pas. Heureusement, mon illustre prédécesseur m'a laissé du matériel fort utile. J'espère que je pourrai nettoyer cette place sainte pour que les gens puissent venir à nouveau honorer leurs morts. Je suis déjà parti en reconnaissance dans le premier niveau de la crypte, mais je dois rester vigilant concernant les dangers qui m'entourent. Puissent les dieux me venir en aide, signé Azrael Darkhorn. Wouh ! Bon retrait, Nashevman. À tout à l'heure. Qui sait, peut-être au plus tard dans ton canal Kick, tu vas continuer ce soir normalement tes aventures de Zelda. Enfin, le héros Link qui sauve la princesse Zelda. Alors. J'ai prêché un bouton. J'ai prêché le bouton de la muerte. Foutu piège de mes deux. Ah bah là, il y en a encore un là. On voit, il y a des pics qui sortent là. Cochonnerie de pics. Et là aussi, il y a un piège. Enfin, bref. La salle du côté là. C'était où? C'était ici, je crois. Oui, c'était là. J'entends un rat. Bah. Oh! Démon, vilain démon, va mourir. Va mourir, démon. Retourne parmi les morts. Voilà. Vite, un pieu. Kick. Voilà. Anti-magie. Non, anti-feu. Anti-magie. Attends, comment on fait l'anti-magie? Anti-magie. Non. Anti-magie. Non. Magie interdite. Non magie. Comment on interdit la magie du démon?
Voilà, provoque une interdiction de tout événement magique à l'intérieur du périmètre autour du lanceur de sort. Alors, magie interdite. Négation. Bah alors, il m'accepte pas l'espèce de haine là. Mais le jeu qui abuse. Alors. Mais le jeu, mais non, mais t'es pas sérieux le jeu, je te fais ton signe là. C'est ça ton glyphe à la noix. Accepte-le. Plus est. Mais non, là c'est limite si je dessine pas un éclair. Mais merde. En plus petit. Non mais, et vous voyez comme le jeu est perfectible. Alors à l'époque c'était une idée de génie. Mais alors pour l'appliquer, vas-y toi. Mais c'est un N qu'il faut que je fasse. Je peux pas faire ça, non? Mais non, on voit bien qu'il y a une encoche. Il faut qu'il montre l'exemple. Comment tu fais ton sigle là? C'est pas. Attends, mais je l'ai pas dans ma collection. Ah si, c'est ça. Très beau. Alors, il a fait un signe très très espacé. C'est peut-être ça qui allait pas. Alors, Trépou. Non, mais m'efface pas mon sort. Refous-moi mon mémo. Merci. Trépou. Bah alors ? Je veux un SDN, le sage de Nassi. Le sage de Nassi. Non mais. Merde, pardon, je sais plus. C'était quoi ma sauvegarde du moment là? C'était Castagne, hein, je crois. Oui, j'étais dans Castagne. Du coup, est-ce que je me suis calmé? Mes pulsations sont à. Il n'arrive plus à mesurer mes pulsations cardiaques. 71. Bon, ça va. Je suis redevenu zen. Ah merde, j'avais pas sauvegardé depuis. Alors attends. Non mais cette blague. Merci. Si tu blagues. Version pop girl. Alors. Je sais plus. Ouais, ça va se refermer derrière moi normalement. C'est rigolo. Allez, on va remettre le feu. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Voilà la petite clé. Hop là. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. Le chien n'est pas fini. Alors, je déverrouille.
Je déverrouille. Usage de torche, merci. Oui, alors je vais pas me faire avoir avec le piège de mes deux. Et il y avait le malheureux aventurier, donc j'avais lu ses trucs. Voilà. Je lui chip sa corde. Je lui chip ses torches. Et voilà, je garde le pieu. Il a du pain, il a de la vie. Donc hop, on va dire que j'ai eu la note. Voilà. Donc c'était 1-3-1, je crois. Ouais, 1-3-1, je retiens. 1-3-1. Oh merde, il y a un piège là. 1-3-1. Là, il n'y a pas de piège. Et là, je peux déverrouiller tout le bazar. Alors là, il y a quoi? Merde. Déjà, il y a un rat qui meurt. Oh! Elle me regarde! Les gargouilles me regardent! C'est vachement bien fait! Oh la flip! Ah, c'est vachement bien pensé! Ah, c'est horrible! Ah, c'est excellent! J'adore! Et pourquoi il n'y a pas de lumière? Ah, c'est excellent! Elles font pas de dégâts, mais elles te regardent. Ah ah! Oh merde, c'est horrible, mais il y a de la... Oh là là, tout est à péter. En fait, toutes les pierres d'ombal ici sont à péter. Bon, attends. Je vais faire le truc du démon à l'opposé. Y a pas de piège, hein, là. Alors, là, il y a le démon de mes deux. Vache, elle est solide. Alors. Hop là, c'est fini. C'est mis en moi, rien sur lui. Ok. Alors je vais sauvegarder, parce que l'atmosphère est tellement bien prenante que j'en oublie de sauvegarder. Crypte, ouais, c'est ça, c'est la crypte. Alors, une épée longue ornementée, extra dommage. Ouais, bah c'est comme j'aime, elle est en sale état. Oh, oh la vache! 57 pièces d'or. Guérison du poison. Ouais, oh, j'en garde. Alors, repousser les morts et foudre. Ouais, repousser les morts peut être pas mal, on sait jamais. La foudre, j'y crois beaucoup moins. Potion de mana. Ok, je cumule. Je me demande à quel moment je vais mettre la main sur le bouclier du roi. Enfin, le bouclier de l'ancien roi. Et le truc divin, là. J'étais pas passé par là. J'adore.
Les gargouilles qui te regardent, j'adore. Trop bien. Oh la flip. Putain, mais c'est horrible. Là, qui c'est qui m'a touché? Oh non, j'ai encore déclenché un truc. Lumière. Non, y a pas. Y a pas. Bon bah, torche. Ah! Une petite clé, encore une. Décidément, j'ai la collectionnite des clés, moi. Potion de mana, allez. Y'a rien d'autre? Non, y'a rien d'autre. Gargouille qui dit non. C'est une gargouille qui fait non, 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 non. Oula. Oh, il a de la thune, lui. 58 de thune. Profanation. Profanation. Oh, encore un calice en or. Ah ouais. Ah ouais, je peux les cumuler, d'accord. Si tu le dis. Eh, c'est horrible, mais les restes des anciens là. Je peux m'en servir pour déclencher les pièges. C'est horrible. Oui, tu vas manger quelque chose. Oh, regardez-moi ça. Mais attends. Non. J'ai merdé mon lancer. Bah. Ça veut pas. Non mais le jeu se moque de moi là. Ah ouais, et ça se retire. Donc je peux passer sans me faire viander ? Ah, sympa. Merde, j'ai oublié qu'il y en avait un là. Oh, le con. Ah, attends, je vais manger un morceau. Ça va le requinquer. Quoique, c'est vrai qu'un os est une arme, donc, mais pas un crâne. Par contre, un crâne a un point, un poids certain. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Ah mon dieu! On est dans le clip de Michael Jackson là. Tuile, 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 tuile. Ta da da ga de fil, tuile. Ta ta li ta da. Ah oui, je suis empoisonné effectivement. Alors, petit pieu de la muerte. Vite, avant qu'il se réanime. Alors, il y avait quoi sur lui? Ah, lui, il avait des bijoux. Il avait des colliers. Il avait des colliers. Je vais regrouper les trésors ici. Bah ça va, l'effet du poison s'est barré. Ah! Ce rat m'a fait peur. Ah! Un rat peut en cacher un autre. Bleh. C'est rigolo. Qu'est-ce qui m'attend ici? Ça va se claquer et refermer derrière moi. Et boum, le démon va apparaître face à moi, non? Ah, fermez la porte s'il vous plaît. Ah non, c'est ma torche qui s'est éteinte. Faut que j'arrête de me faire des films. Je crois que le jeu a eu raison de ta santé mentale. Oui. Oui, oui, oui. Non mais, hey, faut avouer que là, pour le coup, c'est le gros point fort du jeu. L'atmosphère, elle est géniale. J'espère que vous êtes avec moi, là, à frissonner, à délirer. Non mais franchement, c'est énorme. C'est trop bien. Pourquoi on n'a pas eu entre-temps des jeux aussi bien qu'Ars Fatalis? Bon, vous me direz, vous allez me donner quelques exemples que je ne connais pas. Malédiction, c'est quoi ça? Je peux lancer une malédiction. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Bap. Il n'y a plus de respect, je fais des lancers de crâne humain. Ah, sacrilège, vandalisme, profanation. Détection des pièges. Ouais. Ah! Détection des pièges, ce sera plutôt chez les femmes serpents. Ça parle mal!
Chapal, mal, talilalila. Ça va, il n'y a pas de mort vivant. Ah si. Je... Non, tu ne me parles pas, être impie. Retourne parmi les morts. Va quever. Attention que je me fasse pas cerner. Ah! Retourne parmi les morts. Un petit pieu pour que tu restes planté là. Tu avais rien sur toi, c'est scandaleux. Et là, j'avais fait ici ou pas, je sais plus. J'ai chez des japous, j'ai chui peldo. Je sais les japous. Ah oui, oui, c'est le coup de la... Bah attends, j'ai pas ouvert la... Oh. Oh. Il y en avait pas une autre à profaner? Profanez-les tous. Encore une clé? Putain, mais c'est pas possible. Négation de champ. Oh. Eh, j'ai arrêté de me promener avec des parchemins. Hein. Je finis par en avoir marre. D'ailleurs, la malédiction, je vais la repousser là, parce que... repousser les morts, détection des pièges... Ouais, non. Lui, il va garder les parchemins, parce que... c'est en train de me sortir par les trous de nez. J'ai pas besoin de faire autant de magie que ça. Faut arrêter. Faut arrêter, y'a de l'abus. Oui, donc ici c'est le grand vilain. Ici c'est le grand vilain. Il n'y a pas de piège. Ah oui, là il n'y a pas de piège. Ah là il y en a un par contre. Eh oui. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Merci. Tiens, pourquoi c'est cramé ça? Là c'est. Hop, là c'est déclenché. Ah, là j'ai pas déclenché. J'ai pas un objet donc je pourrais balancer donc j'ai rien à péter, comme une fois des cordes. Voilà. Ouais, bon. Ouais, après je peux passer peinard. Je peux passer peinard. Rona Shellman. Oh, cette crypte. Cette crypte de la muerte. Alors, du coup, ça devient tellement grand la crypte. C'est bien, je suis satisfait. Mais, je ne sais plus quoi faire. Non, bah, il faut que je m'avance dans la partie centrale de la crypte, là. Lui aussi, il a plus rien. Il est mort de mort. Il est mort de mort. Quoi? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une note. Non. J'avais pas ouvert ici. Ah, cette porte reste scellée. Cette porte reste scellée. Attends, je commence à être perdu là. Pourquoi c'est fermé ça? Bah c'est la suite. Bah c'était pas ouvert, il n'y avait pas un... Et là il n'y a rien. Tellement étrange. Là si je vais en face. Donc normalement j'ai neutralisé les pièges. Hein. Normalement. Ça c'est quoi? Oh, il a toujours faim. Bon, là, il a le mérite de se battre et de se prendre des pics dans la tronche, mais... Bah, elle était pas ouverte, cette herse? Je sais plus. Il y a de ces mystères. Ah! Vachement bien fait. J'ai un peu flippé.
Oh, il y a une grosse araignée derrière. Déjà, il y a des rats. Allez mourir, les rats! J'en ai eu un, pas l'autre. Et là, il y a quoi? Bah, il y a rien. Bon. J'ai la tension qui retombe. Je m'attendais à plus spectaculaire, mais non, deux rats. Alors, une torche en cadeau. Et une potion de vie. Voilà, je vais faire la... Oh. Ah, il y a un bouton là. Oh. Ah! La vilaine! Double dommage. Je vais sauvegarder là parce que j'avance pas mal. Ce serait dommage que je meure et que je doive tout recommencer. Surtout que là, honnêtement, je commence à me perdre. Et ce serait bien pour l'épisode du jour que je trouve le bouclier dans la crypte. Et que je la donne à la chef des rebelles, et puis ce sera bien pour l'épisode du jour. Mais je suis déjà passé par ici, non? Ah non. Pardon. Ne me dis pas que je vais sortir par là où je pense. Oula, il y a un bug de lumière là. On est où là? Attendez. J'écoute les bêtises du sage en essayant d'y survivre. Oui. Attendez. Attendez que je relise le plan. J'ai pas fini la crypte, je vais y retourner. Je vais y retourner. Bon, je pense que je peux retirer mon bracelet montre qui me dit que je suis sûrement à 70 pulsations cœur normal. Je suis à 78, un petit peu nerveux, peut-être serais-je agacé, ça parle mal, non je la retire parce qu'elle me pèse là, elle me bouffe. Ok, donc je peux me barrer de la crypte par là. Alors attends, la suite. Donc ça c'est fermé, je peux pas ouvrir. J'ai pas la clé. Ça influence quoi ce bouton? J'ai appuyé sur un bouton mais je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Alors là, il y a une énigme. Et le coup de mes frères, là, l'indice disait 1-3-1. À quoi correspond 1-3-1?
Oh, j'adore comment qu'elle me mate. C'est trop bien fait. Ah merde, mais j'ai pas tout pété. Oh le con, j'ai oublié de profaner le côté opposé. Une potion d'invisibilité, si tu veux. Je la garderai pour les Ulfides. Bon, évidemment, je me prends des dégâts en profanant cette tombe. Ah, une émeraude. Une émeraude et de la thune. 17 pièces d'or. Il n'y a rien d'autre, hein, on est d'accord. Hop là. Oh merde. Lui, il n'est pas mort, lui. Retourne parmi les morts. Non, je ne serai jamais l'un des vôtres. Jamais. Je suis une entité sacrée. Va crever, démon. Tiens, je te cloue au pilori. Fini. Alors, merde, il avait rien sur lui. Ah, un petit trésor. C'est fermé. C'est fermé, ce mini-coffre. C'est fermé. Merde, j'ai pas la clé. Alors, une pierre tombale. Oh là là, tant de mystère, tant de mystère. Ah. Ah. C'est de la rigolade à côté le Da Vinci Code. Oldie, moi. Hein? Gargouille, là. J'adore. Franchement, je suis fan. C'est trop bien pensé. Je m'en ferai une... presque un... Comment on appelle ça? En animation comme ça, je m'en ferai presque un... Un avatar animé, là. Tout ce qui est Discord, Steam, ce que vous voulez. C'est trop trop bien. Alors, il y a un coffre mystère. Est-ce que je peux pas forcer la serrure du mini-coffre? Attendez. Je vais sauvegarder là. Et je vais... J'ai un passe-partout. Je vais essayer de forcer le coffre. Coffre. Allez. Merde. Merde, Oum, j'ai perdu mon essai. Donc, je suis un vilain. Je vais recharger ma partie. Ah, le coffre, le contenu du coffre ne va pas se révéler à moi maintenant. Continuons. Poursuivons nos investigations sous le regard des gargouilles. Yé m'en bat les ch'touilles. Alors, ici, j'ai tout pété, j'ai tout pillé, il n'y a plus de respect. Alors, il y a une énigme de 1-3-1, il y a il y a une porte encore qui se refuse à moi. Que de mystère. Que de mystère. Oh merde! Comment j'ai fait ça, moi? Merde! J'ai perdu ma torche. Attends, faut que je combatte dans la lumière parce que... Merde! Oh, yogourt. Bon. Touk. Touk. Allez. Non, il n'avait rien, lui. Ah, si je veux, je peux me barrer, là. Enfin, bon, j'avais trouvé une autre sortie, mais... C'est bizarre, quand même, cette crypte. Oh, mais il a toujours faim. Mange un morceau de rat grillé. Merde. Ah oui, bah oui, non, c'est la sortie, ça. Des énigmes.
Des énigmes. Des énigmes. 1-3-1. Qu'est-ce que l'énigme du 1-3-1? Évidemment, je peux pas forcer cette serrure, je présume. Au complexe. Ouais, le contraire, moi, c'est agréablement surpris. Il faudra que je relise consciencieusement la note. Là, je suis en droit de me barrer. 1-3-1. Qu'est-ce que c'est que ce grand mystère dans le média? Attends, il disait quoi? 1-3-1 est la clé pour ouvrir le trésor de mes frères. 1-3-1 est la clé pour ouvrir le trésor de mes frères. Ouais, là on peut se barrer. Il n'y a rien d'autre, hein, on est d'accord. Ouais, non, c'était une... Non, laisse tomber, je veux pas me barrer. 1-3-1 est la clé pour ouvrir le trésor de mes frères. 1-3-1... 1-3-1... Et je vais regarder ma rediff avec passion, parce que... Ça et l'énigme des femmes serpents, je vais avoir le cerveau qui va pendant des jours. J'en peux plus de toi. On s'ennuie jamais avec l'érudit des garnis. Mon dieu, on l'avait encore jamais appelé comme ça. Mais pourquoi pas. Je trouve que ça te va bien. Oui, oui, t'as pas tort. Moi, je conteste pas. Je te donne plutôt raison, Ben Zaikten. Mais merci, parce qu'en même temps, c'est amélioratif. Bon, des coups dégarnis, hein, je te confesserai que je m'en moque. Ça m'arrange plutôt bien et ça m'évite des frais de coiffeur que d'avoir la caboche plutôt en mode piste d'atterrissage pour mouche. Bon, je vais peut-être arrêter avec les torches là parce que j'en consomme pour rien. Et t'avais dit quel qualificatif, quel adjectif? Érudit. Oui, merci, ça me fait un beau compliment. Oh, j'essaye d'en avoir un peu dans la caboche quand même, mais bon, c'est pas toujours fameux. Je confirme en faire des économies, ouais, bah ouais. Parce que là, je crame des torches sur torches, il va plus y en avoir dans le royaume, tu sais, puis quand je vais en avoir vraiment besoin... Nerdoum. Alors, il y a un petit coffre que j'arrive pas à ouvrir. Et l'énigme, le truc de mes frères, 1-3-1. 1-3-1. Oh la vache! Et j'ai toujours pas compris l'usage de la pierre, là, le renfoncement dans le mur. Ça fait quoi? Oui, je le prends bien, oui. Attendez, je comprends pas l'usage de la pierre. Ne me dites pas que c'est une combinaison rythmique qui m'a dit le gars. En faisant 1-3-1. 1. 1. 2. 3. J'attends un peu. 1. Merde, j'arrive même plus à le faire. Non, c'est pas logique, ça va pas, c'est pas ça.
je peux pas interagir avec ça. Ah, oh, je pense qu'on va pas tarder à passer à un autre jeu parce que là je comprends pas. Ou alors il faut que j'aille voir les femmes serpents chez les humains. Celle qui tient la bibliothèque du roi. C'est bizarre. Je sais pas, ouais, attendez, je vais peut-être me barrer finalement. Je vais peut-être me barrer. Tant de mystères. Tant de mystères. 1, 3, 1. J'ai faim. Oui, si Torota se manifeste pas à nous maintenant, il est sûrement en train de faire sa sieste. Ou alors il est sur son antenne, hein. il est peut-être en train de jouer sur son canal, Torota. Mais il peut lui arriver de faire des siestes quand il est fatigué. Attends, là j'ai une torche. Pourquoi elle est pas allumée, elle? Ah, bugué. Bon. Il n'y a plus de combustible. Ah, ça c'est le clan des rats. C'est le clan des rats, je m'en moque. Oui, donc ça c'est mon accès à la crypte. Ça c'est mon accès à la crypte. J'arrive même plus à prononcer. Là, il n'y a rien. Je suis dans un cul-de-sac. Ah, je pourrais peut-être rendre visite aux rebelles, mais bon, je sais pas, j'aurais pas d'intérêt. Je pense pas que les dialogues auraient changé. Oui, vas-y voir que j'aille au château. Je vais aller au château. Pourquoi ils m'ont ouvert le... Attends. Oui, non, il m'en manque un, il manque celui-là. Voilà. Non, je pense que cette salle est un cadeau des femmes serpents. Elles l'ont décorée à leur manière. Là. Attends. Le mage déchu. Avec un anneau non identifié. Ouais. Non, ça me servira à rien. Bon, le musicien à la cour, il est revenu ou pas? Oh merde, mais il est plus là. Bonjour. Bayoul. Il y a beaucoup plus de tremblements de terre en ce moment. Maintenant, allez, Amshagar. Ouais. Et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraos. Ouais. Non, mais il a plus rien à me dire, le gars. Enfin, le gars, c'est le roi. Attendez. Il y a la femme serpent qui pourrait peut-être m'aider. Ou pas. Elle me dit rien d'intéressant. Ah, puis moi j'ai toujours pas le droit de faire usage de ça parce que j'ai pas. Oui, c'est dégueulasse. J'ai pas monté de niveau dans le jeu. J'aimerais bien me déverrouiller la compétence alchimie là. Ça m'arrangerait grandement. L'autre loustique dans son observatoire. Non, mais me bouge pas la porte. Oh, les trottoirs sont trop exigus là. Les couloirs, pardon. Sont trop étroits et c'est chiant. Pour circuler.
S'il a quelque chose à me dire. L'ancien second d'Orbiplanax. Ah bah qui n'est même pas à son poste, tout va bien. Ah mais c'était lui le grand méchant, non? Je sais plus. Celui qui veut le retour c'est de... Fermé. C'est fermé. J'ai pas la clé? C'est fermé. Bon bah j'ai pas fini de collectionner les clés moi. Je joue encore un quart d'heure et puis si à 16h j'avance pas dans l'intrigue, je vais passer à un autre jeu parce que là ça fait pas ça quoi, ça va faire 2h que je suis sur Arxatalis. Ça fait une bonne session de jeu. Ça fait une bonne session de jeu. Je peux pas croire ce qui s'est passé hier à la taverne. Quoi? Ce qui s'est passé hier à la taverne, quand je me suis réinfiltré chez l'ennemi. Bon. Lui, il m'aide en rien. Ah. Ah oui, non, c'est la caserne. Non, je m'en moque de la caserne. Il n'y a rien de neuf dans les... dans la prison des humains, je présume. C'est quoi, la neuf? Salle du conseil. Ah oui, c'est là où on avait eu notre... C'est bizarre, ça, ces histoires de buste. Ouais, non, c'est la déco du roi. Ah, 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 pas ça chic, ouais. Ouais, bah, je vais y aller, le temps qui passe. Le temps qui passe... ah bah si, attends, non, c'est la salle des prisonniers, ça. J'ai faim. Oh, il a toujours et encore faim. Voilà, puis j'arrive trop tard, je peux plus passer. Oh, merde. Il y avait pas un... Ici aussi, un passage secret, non? Je ne sais plus. Oh, c'est pas grave. Oui, mais c'était ça, je crois. Réfléchissons. Tibidibidi, tibidibidou. Ah, j'avais oublié l'église. Oh, j'avais oublié qu'il y avait le prêtre qui était pas sympa d'ailleurs. Ah, tu m'as trouvé un concept à développer en ma ville, Benzaiten. Sauvez-nous, sauvez-nous, oh gardien. Cessez de m'importuner, je vous. Oh, madame. Pas très sympa, la madame. Le tac-tac. Eh ben, dis donc. Très bien. Le forgeron, le forgeron. Ah oui, tiens, attendez voir. Mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Ah. Ah! Voilà, j'ai repris l'ancienne dague. Attends. Attendez, elle est à 20 sur 50, donc autant dire qu'elle a 40% de résistance. Je vais la faire réparer. Merci. Voilà qui est mieux. J'ai pas de nouvelle entrée dans le journal, hein, on est d'accord. Oui, le bouclier des anciens, quelque part au second niveau de la crypte.
En fait, je suis proche d'honorer la requête de la chef des rebelles. Hein. L'énigme 1-3-1, le coffre qui s'ouvre pas, la porte, la pierre dans le mur. Oh là là, toujours faim. Allez, mange un morceau, vas-y. J'ai ça aussi qui est bizarre, j'avais une pierre avec un signe gravé. Les deux, j'en ai rien fait, là, le croissant de lune et l'espèce de molaire, je sais pas quoi. C'est vrai que... 1, 3, 1. Je vais aller vendre mes trésors chez les marchands. C'était quoi ça? Ah, les trappes. Les satanées trappes. Les marchands. Faut que je remonte, je crois. Leur roi, donc c'était à l'opposé. Oui, c'était l'opposé, effectivement, c'était là-bas. Oh, je vais me faire de la tunasse. Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels? Non, Amshagar. Rien de neuf. Fameux chef des troupes. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. Oui, bah je te vends les calices en or. De toute façon, si un jour j'en ai besoin d'un, je lui rachète, tant pis si j'ai une perte, mais bon. Au moins, je saurais où trouver l'objet, et puis, hein, passe tes armes. Ah oui, il y a l'émeraude aussi. Allez, hop. Oui, j'ai bien fermé derrière moi. Foutu crypte. On y retourne une dernière fois. Ouais, ça pourrait marcher le toc-toc à Nancy, ouais. Oh là là, mon propre. Allez, torche. Oh, bah alors. Merci. Rien de neuf, on est d'accord. Même là, l'opposé, parce que j'y suis pas allé aujourd'hui, donc j'essaie de me remémorer l'intégralité de la crypte. Ouais, là, il y avait rien d'autre. Là, sur les côtés, normalement, il y avait rien. Là, c'était quoi? Là, il y avait un premier truc. Oui, quoi? Au guidon de cet engin, quoi? Tu rentreras dans tes frais dès le premier mois de lancement. Ouais. Si on veut. Je sais déjà plus.
d'accord, il n'y a pas d'interaction. Attends, je sais même plus. Je sais même plus comment j'avais fait pour aller plus profondément dans la crypte. J'ai déjà oublié. Non, il y a un truc. Ouais, morceau de bois, la bonne blague. Histoire de porte. Il y avait une porte, mais qui était pas là. C'était. J'ai faim. Oh, il me bouffe avec sa faim. Oui, c'était là. Il y avait les pièges. Il y a la poule machin. Ah oui, c'était la porte là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La suite, c'était ça. Oh, cette énigmatique crypte. Non, la suite n'était pas là. Merde, c'était même pas ça. Ça, c'était encore une des sorties possibles de la crypte. Donc c'était à l'opposé. Oui, donc c'était là. Oui, c'était là, la suite de la crypte. C'était là. Là, j'avais trouvé... Ah bah, j'avais pas tout profané, d'ailleurs. Je n'avais pas tout profané. Désolé. Ouais, y a rien. Des os. Donc j'ai rien loupé en fait. Ouais, la suite de la crypte était là. Ne réveillez pas les gardiens. Ouais, bah je les ai. Bah ils ont disparu. Ils sont marrants, eux. Les fameux gardiens ont disparu. Je suis désolé, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, c'est toujours fermé. La question est pourquoi? J'adore. L'autre pièce, il y avait quoi? Attendez, j'essaie de mémoriser toutes les salles. J'essaie de mémoriser toutes les salles.
la crypte. Ça, c'est quoi ? Ok. Et là, plus bas, j'ai quoi ? Et on peut se barrer aussi. Il y a également un moyen de se barrer. Ça, c'est un mystère, je sais pas pourquoi. C'est pas un passage secret? Ah non, 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 visiblement c'est bien un mur derrière, c'est pas... Oh ouais! Holy! D'accord que c'est pas le... Oui, c'est pas le pass. Et ça... Ça, ça fait quoi? Qu'est-ce que j'ai bougé en faisant les manettes? Et là, il n'y a pas de bouton. Ah si! Attendez, il y avait un parallélisme. Oh merde. Ça s'est refermé derrière moi. Ah, je suis pris au piège. Je suis pris au piège. Si, si, il y avait un parallélisme. Infiltration, je sais pas quoi dire. Ah bah au moment où j'allais arrêter, j'arrive à progresser encore un peu. Alors, il y a encore un mort-vivant. Ah, je savais que j'ai bien fait d'acheter plein de pieux. Je me disais bien que c'était bizarre que le jeu me propose à la vente autant de matos. Je ne connais que trop bien les logiques vidéoludiques. Fermé. Merde, des rats. Ah. Tiens. Oh merde, c'est un piège ça. C'est un piège. Si je mets des cordes... Ah. Peut-être n'est-ce pas un piège. Là, il y a la manette. Bizarre. Oh merde, il y a un truc là. Sérieux ? Quelque chose. Heureusement que je suis venu avec mes cordes pour faire du poids. Bon, j'ai plus de torche. La flip, c'est maintenant. Je n'ai plus de torche. Attends. Oh, c'est mal taillé, c'est naturel ici. Ah, il y a plein de cailloux, il y a une pioche. Et ben voilà pourquoi. Ah, un pieu. C'est pour ça que j'ai des cailloux dans l'inventaire. Enfin, pour avoir des cailloux dans l'inventaire. Alors attends, le squelette, il a... Ah, il a encore un symbole bizarre. C'est mon troisième symbole bizarre. Il va y avoir une énigme de je sais pas quoi.
Oui, les cailloux, je vais les prendre avec moi, ouais. La 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 la. Passion cailloux. Attends, je vais récupérer ma corde du coup. Hop là. Et il y avait en face aussi, je crois. Hop là. J'ai faim. C'est quoi ça? Ah, c'est bloqué. En passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots ondaines. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots ondaines. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Ah, c'est ça. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots ondaines, en passant par la Lorraine. C'était ça le 1-3-1. Mais j'ai pas compris ce que j'ai déclenché. Alors, j'ai déclenché. Oula, doucement. J'ai déclenché un truc. Non, mais le pillage de tombe, c'est horrible. Alors, j'ai déclenché un truc. Mais où, je sais pas. Peut-être la pièce d'à côté. Non. Oh, cette crypte de la Muerte. Là, c'est là où il y a les rochers. Attends. Oula, pourquoi c'est en rouge? Ah! En tuant ce rat, je monte de niveau. Je monte de niveau. Il faut absolument que j'augmente ma compétence manuelle. Oh, enfin. Compétence manuelle, faut que je monte à 50. Ça va me déverrouiller la chimie. Oui! L'alchimie des plaisirs. Merde, j'ai fait un coup de trop. Tant pis, allez, je mets tout dans le... Ah bah j'ai mis dans la force. Oui, bah pourquoi pas. Le truc a cliqué pour moi, en fait. De toute façon, honnêtement, je savais pas dans quoi j'allais mettre le point bonus, donc... une dalle de sarcophage. Mais attends, la dalle, elle est rouge. Je vais réveiller un démon, là. C'est pas possible. Je vais réveiller un démon. Attendez, je sauvegarde et je vais ouvrir latéralement. Oui, je suis maintenant fabriqué de l'agnole, ouais. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans l'idée. Tu rigoles, mais... Vu les breuvages qu'on peut faire... Je suis tellement pris dans l'ambiance de la crypte que je veux pas m'arrêter. C'est pas coffre, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pris cher. J'ai pris des dégâts là, ça fait bobo. Un anneau d'or. Ouais. Potion de mana, ok. Ah, 124 pièces d'or. Putain, mais j'en ai combien? Oh,
5551. Je suis riche. Les contes de la crypta. Cet instant frisson. Ça y est, je suis en train de me perdre. Je sais plus où je dois aller. Oui, donc je suis pas allé là. C'est la partie centrale. Encore un niveau. Alors qu'il y a des portes que j'ai pas ouvertes, hein. Il y a des salles qui me sont pas accessibles. Mais attends, là je vais en enfer, là c'est pas possible. On descend trop là. Là il y a un truc. On est où là? Comment ça un os? Je le vois même pas ton os. Ah, il y a un pieu. Hop là, un petit pieu pour moi. Oh, il y a quelque chose à péter là, non? Non? Sérieux? Ah non, ça se pète pas. Non, non, décor pour décor. Bizarre. Si la teinte est plus claire que la normale, c'est qu'il y a un truc quelque part. Ou je sais pas, mais il y a un truc quelque part. Avec le peu que j'arrive à voir. J'espère que le signal que je vous renvoie est pas trop sombre, mais bon. Je suis censé être dans l'obscurité, puisque je suis pas foutu d'avoir des torches maintenant. J'ai bouffé mes 10 torches. Faut le faire quand même. Tu as une petite surprise en MP Discord, merci. Ah oui, merci. Oui, je devine ce que c'est. T'es adorable. Merci, tu es une scène. Alors que ce décor me... Mais... Le retour de la momie. Le retour de la momie. Le retour de Dalida. On t'a reconnu, Dalida. Tu veux refaire dans la chanson? Tu vas nous refaire des petits disques roux? Merde. Ah. Quoi? Ah oui, il y avait un texte qui disait la momie, tu peux pas la planter. Enfin, j'espère qu'elle va rester morte et qu'elle va plus jamais se réanimer. Oh la vache, il y a des fioles au mur. C'est quoi ça? Ah, il y a un rat. Le rat de la muerte. Eh ben, quelle ambiance. Ah, d'accord, ok, tu es une scène. Alors, je pense pas... Je sais pas, je me vois pas le faire aujourd'hui, sans offense. J'espère que ça peut atteindre 24 heures, une scène. Parce que demain, je serai sur Linux et j'aurai plus d'aisance à faire diverses manips et téléchargements. Donc, éventuellement, demain matin, avant de rejoindre Nayonek la stade pour la promenade. Voilà, je mange un morceau. Ouais, bien sûr, ok, merci, t'es adorable. Merci, une scène. Merci tout plein. Tac, 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 tac. Alors là, je reconnais que de plus avoir de torche, c'est... Oh, je vais mettre le pied sur un piège et je vais crever comme un caca. Ah, il y a une pierre à manipuler ici. Oula, il y a des trucs à péter. Ah, ça correspond au sigle de ce que j'ai sur la... Ah, il doit y avoir un... Ah. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose.
Oh la vache. Oh non. Les zombies. Et allez, zombie. Joli. Quick. Ah, il avait de l'or sur lui en collier. Écoutez, moi j'étais satisfait de mon moment flip avec la crypte. Le suspense est à son comble parce que vous voyez, j'ai plein de trucs à fouiller, il y a une énigme. On se garde ça pour le week-end prochain. On va passer à un autre jeu. Je vais sauvegarder là. Bien. Moi j'ai eu ma dose. C'est 3 gigas quand même. Oui, c'est pas grave, c'est une scène. C'est cool. Non, pas coffre, reprise. Reprise. Alors, j'ai pesté, hein. Franchement, le boss sur patte, là, le char d'assaut sur patte, il m'a bouffé, mais alors il m'a bouffé. Je l'aurais eu en deuxième partie, j'aurais rage quit, vraiment. C'est bien parce que j'étais en début de partie que j'ai essayé de persévérer, mais... Alors, qu'est-ce qu'on se...